all my time waiting for a sign. I even smoke, I've no job, no friends. I never even have a girl. And I throw my tears away in my own. Well, look at me now, but you look at me now. Can you see what's left of what I am? Giving up the way that led me here. Look at me now, but you look at me now. Now I think it's time for me to wake up, wake up, wake up. It's from the face. Get up, get up, get up. Give up a weakness. Wake up.
Attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! It's the sweet taste of reward. Is it bad? Donc, bonjour à tous. Michel va travailler ce soir. Donc, mais là, il y a une tempête à midi qui écart. Ensuite, on va s'amuser un petit peu, puis on va travailler ce soir. De soir, aujourd'hui. Donc, pas mal ça. Moi, c'est M. Toby. Ça marche maintenant? Seigneur, c'est pas fort. Bon. Vous m'entendez là? Et maintenant? Maintenant, ça va-tu mieux là?
Allô? Ouais. Je gage Chantal avec. Gage B avec un ami. Quoi? Oups, merde. Oui. Ah, désolé, ça a raccroché trop vite. Comme tout le temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, tu disais? Tu disais que tu faisais quoi? J'étais avec un ami au garage B. Ok. Il me montrait son char. Ah, ok. Ok. Une belle carène. Ouais, ouais, ouais. Les gros chars. Yes. Ok, je m'en viens. Yeah. Test 1-2, y a-t-il quelqu'un? Ta mère. Wow, c'est lent. Mais non, je le niaise. Ah, c'est Michel. Oui, c'est Michel. Je le niaisais. C'est pas un beau champ, Michel. Ouais, montre-moi ça. Y a quelqu'un ici, what the fuck? Tu le vois-tu, là, le gars qui est genre là? Attends, là, je vois plus son nom. Là. Je pense qu'il est genre ici. Tu parles du pot de colle, là? Non, il y avait quelqu'un d'invisible, je ne pouvais pas aller avancer à cause de lui. Je sais pas, moi j'en vois un ici, là. Ah, moi je le vois pas, le gars. Ah ouais, il y a quelqu'un juste là, là. Monsieur? Prends les dents dans tes bras, voir. Ouais. Ah non, il répond. Ok. Bon, c'est parce qu'il y en a... Oh, what the fuck, ouais, peut-être juste me lâcher, s'il vous plaît. Merci. Peut-être juste faire une... En tout cas, moi, je le vois. Il y a une tempête. Ça fait fuck up, ouais, c'est tempête. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Ouais, c'est ça, ça va. Va faire un dodo quand la tempête va pousser dehors. Ouais, c'est non, ça. Non, parce que je reste là, pareil. Ben, j'essaie d'arranger mon push to talk, mais ça marche pas, tabarnak. Ben, j'essaie de mettre sur le bouton de la souris, mais il veut pas. En fait, tu pourras pas. Ils ont enlevé ça? En fait, pour éviter des problèmes, toutes les contrôles sont bloqués. Déjà pris, ouais. Sont bloqués. Pour tout le monde, en fait. On peut tout pas les changer. Si tu veux un petit truc pour tes cordes vocales, là, moi, ce que je fais, c'est que je les laisse tout le temps ouvert, puis que c'est directement, ouais, si directement dans ma glande que je l'arrête. Je t'en gros fou. Ouais, moi aussi. Ok, tu l'arrêtes direct par toi-même. On en reparlera au pire, si tu veux, mais je te donnerai un petit truc. Ouais, au pire, reviens en pause dans la PSK sondée, à pause à Sharpie. Ouais, on ira pendant la tempête. Je t'expliquerai ça.
Mais il y a une petite machine, là, tu vois, c'est super parce génial. Parce que je viens de m'acheter une autre une affaire pour mon cerveau, là. OK. J'étais juste à 8 gigs avant, le cerveau, puis là, je suis rendu à 16. Oh, pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Toby, là, qui est dans mon truck. Dans mon char, il va le péter. Toby, lâche mon char, là, c'est trop puissant pour toi. Tu éteins le moteur, au moins? Merci! OK, merci. C'est bon. Tiens, prends ça, Toby, à la place. Ouais, moins c'est... moins puissant pour toi. Pour 25 000, je trouve fuck up, ce petit char-là. Hé, hey, je l'ai! C'est la petite Fiat 500, ouais, ouais. Elle est blanche, ouais. Elle est blanche, à la base? Non, elle est verte. C'est fucking gold. Attention, je vais sortir un char. Ouais, ça. Ouais, oh, ouais, je l'ai. J'ai la même. Ouais, mais en blanc et noir, ouais, je l'adore. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voyez mon char ou non? Ouais, ouais, on voit ton char. Quel, la Nissan? Ouais. Ouais, bref. Oh, la tempête approche. Ouais. Je pense me serrer mon char, moi. Pouf, pouf, de moteur qui explose. Ouais, ça serait drôle. Michel, il me reste encore genre 600 000 à payer. De quoi 600 000? Ben, j'ai donné 482 000 au gars qui la vendait. Qui vendait quoi? Le char. La Skyline? Ouais, elle vendait 900 000 au lieu de 1,5 million à moi. OK. Elle full custom, il l'a payé 800 000. Puis il a demandé 100 000 de plus pour moi. Il a tout full custom, il y avait juste le turbo quand il l'a payé. Oui. Il a tout modifié, puis là je l'ai payé 900 000. C'est le Can-Am, là. Juste le moteur, là, il est 150 000. Tu sais le Can-Am, là, qui vient avec le F350? Ouais, le side-by-side. Ouais, tu sais combien je l'ai payé à Pierrette? Combien? 40 000. Parce qu'elle voulait s'en débarrasser? Non, puis c'est parce que j'étais gentil, parce qu'elle voulait me le vendre 20 000. C'est moi qui se sentais généreux, fait que j'ai offert le job. Sa GTR, elle l'a acheté, elle demande de 400 000, je pense. Oui. Hey, en passant, les boys, ceux qui ont des GTR, là, c'est réglé. Ah ouais? Ouais, j'ai parlé avec Lola tantôt, tout est beau. Ah, nice. C'est quoi le problème qu'il y avait? Ben, si c'est une GTR, tu le connais déjà, le problème. Non, je l'ai pas eu. Ben, en fait, toutes les modifications de toutes les GTR se sont enlevées. Ils sont toutes redevenus stock. Fait qu'il faut t'en retourner la mettre... Ouais, monsieur. Un tabarnak, le gars. À partir de zéro. Imagine ceux qui ont payé la full totale. Mais la full totale, c'est pas si pire, c'est ça. La full totale, c'est comme 100 000. 100 000, là, t'as tout dans le fond, là. Sérieux, là, c'est pas un char qui coûte cher. Hey, t'as le château, je te vois. Ouais, oui, quoi. Vous pouvez m'amener au concierge? Mais là, t'auras pas le temps, en gros, il reste. Ouais, c'est ça. Ouais, ça sent la vitre qui va péter. Je te rembourse un petit peu en place. On va être trempé à l'os. Try to drink you away. You're always hanging me over. I knew you'd try.
talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. Good thing that I'm a creep when I'm singing alone, but it's like I couldn't see straight on. But it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own. You everything when you
Oh,
gonna let this go. Pierrette, si tu me frappes, ça va aller mal. Essaie donc de sortir un de tes chars, s'il te plaît. Pierrette. Le mien, mon affaire, mon menu, il est bugué. Tu me diras si ça marche, toi. Ah, merde. Ok. On se voit plus tard, Pierrette. En passant, Pierrette, t'as un problème de corde vocale. Je t'entends pas. Je te dis ça. Je te dis rien. À tantôt. Take my life from me and bury me in blame. Cover all your lies and leave them in my name. There's nothing left to lose. You took it all away. And
party tomorrow? Okay. Je pense qu'il est passé et... Ah, c'est David. C'est David. C'est David, ça c'est Michel, je pense, c'est dans. Yes. Ah, je suis fort. Que je suis fort, man. Ah, il est David en pilote. Si tu veux que je fasse. Non, lui c'est David. Mais lui c'est Michel, je pense. Michel prend le spécial. C'est ça que j'ai dit, lui c'est David. Yep. C'est que je connais pas. Michel. Ouais. Ça, hein? La version juste une réparation. C'est une aise. Puis tu me diras ton ton compte bancaire. 4. Hein? Et là, je suis chauffeur de bus là, juste pour payer mes affaires. Lol. Mais là, t'as peur d'avoir de misère, là, mais parce que moi, j'ai le mode qui m'a rentré dedans. Ok. Le Mercedes gris à côté, il a besoin de réparation aussi. Ouais. Ok. C'est ça, le truc à Rock qui a tout le temps besoin de réparation. Tout le temps. Tout le Rock qui roule tout le temps en mongol, ça va, tu sais. Ouais. Ça va être ouais. Penses-tu que tu vas organiser un autre rassemblement de chars dans pas long? Ouais. Si ça serait cool. Là, je sais pas si tu le sais. Devrait organiser genre une ride dans 4 roues. Mais le U-World, là, franchement, il passe quoi? Hein? Ouais, mais c'est parce que c'est les 4 roues, il y en a pas à Cuba encore. Tu demandes au gouvernement, là. Oh, je suis en train de crever de faim. En effet, je confirme. J'ai mal au ventre. Non, pour le coup, j'allais à l'hôpital. Hier, je savais même pas qu'il y avait une surprise de location. Ouais, ben c'est ça là. Apparemment, il appartient à un gars qui est fait en ville, apparemment, mais genre ils veulent pas le donner. Je sais pas pourquoi. Ouais, bon. Ah, c'est parce qu'il est gars, il est pas. C'est bon, bonne journée. Rien de neuf. Tu peux me faire la petite facture à monsieur derrière moi là? Non. Toi et ta facture, ton char de merde. Je voulais juste. Venez ici, Lola. Mm-hmm. Tu payes pas ça en étant pilote. C'est juste cette nuit, je m'étais inquiété un peu, je voulais juste savoir. Tu sais, au fond, tu l'as mis à la porte. Non. Okay. Mais c'est parce que t'as. Parce que cette nuit, je voyais ton silence, tu sais, puis je voyais que t'étais pas contente. Oui, non, t'as raison. C'est surtout que, je sais pas comment. J'ai un peu de mal avec les réactions là-dessus, mais. Ouais. Ah non, je vais pas la virer à tout part. Non, okay. En fait, ça me ferait chier de la virer. Ouais. Franchement. Mais c'est parce qu'à un moment aussi, tu peux pas accepter non plus tant de. C'est tout le temps des. Mais bon. Ouais. Mais pour les réparations, par exemple, ça est parfaite, hein. Je veux dire, quand il y a des calls à l'hôpital, elle vient partout, elle y va. Fait que. Je pense que les customs pour elle, c'est peut-être fini là, mais pour voir. On essaie d'y remettre en place, mais c'est vrai qu'après, si elle a quand même du mal avec les chiffres, donc. Enfin, elle y arrive. Hein, mais... Ben, une erreur, c'est ça. De temps en temps, des erreurs, ça. Mais là. Ouais, ok, parfait. C'est quand même des erreurs qui, des fois, qui manquent quand même. Ouais, bon. Merci, Lola. Y'a pas de soucis. En fait, j'ai pas à te remercier, mais je te remercie pareil. T'inquiète. T'as donné une réparation sur la porte, non?
Moi, okay. J'avais. Oui, monsieur Alexandre. Oui, Michel, ça va bien? Oui, toi. Oui, écoute, petite question pour toi. Oui. Là, tous les restaurants sont fermés, puis là, on commence à avoir besoin de manger. Tu sais, j'ai du pain, j'ai tout, j'ai de l'argent en masse, mais il n'y a rien d'ouvert pour que je puisse m'acheter soit des trios, ça me régénère ma vie et tout. Ok, passe au garage G. Au garage G? Ouais, je m'en vais là. Ok, ben après, j'arrive après ça, je vais aller travailler. Ok, bye. Yo. Yo. Non, c'est ça, les restos sont pas ouverts. J'ai regardé, ils sont les deux fermés. De quoi les deux? Le Burger Shot pis le McDo. Mais le McDo, il est pas encore ouvert. Il a pas été acheté hier. Hier, c'est le Burger Shot qui a été acheté. Ok, parce que le McDo, les portes sont débarrées pis c'est ouvert, tu peux rentrer dedans même si c'est fermé. Là. Ouais, que les portes ont... Bon. Bon, viens avec moi. Ben en fait, attends ici, là, dans ce cercle-là, tu vas recevoir l'invitation dans quelques secondes.
C'est ça. Travailles en soir en fin de compte? Moi? Ouais. Peut-être. Ben avec ça, t'en as assez vite, t'as assez pour tenir deux jours, le temps que le bug se tourne. Ok, j'en prenne quand je suis rendu à combien de pourcentage de bouffe? Quand t'as faim, quand t'es rendu vraiment bas. Moi, l'habitude, j'attends un bas en dessous de 10. Hein. Puis si tu remarqueras que t'as plus soif que t'as faim. T'as plus faim que t'as soif. Fait que moi, je m'essaie tout le temps qu'il soit égal le plus possible. Comme ça, quand les deux sont rendus bien bas, là, c'est payant. C'est plus rentable de pogner un trio plutôt que d'en avoir un à 40% puis un à 10% puis de prendre un trio tout de suite. Traîne-toi des bouteilles d'eau puis traîne-toi des tacos. Les tacos, tu vas pas les trouver au magasin de tacos puis ça, il n'y a pas besoin d'être ouvert. Donc, équipe-toi de tout ça puis tu utilises les tacos. Tu manges un trio. Puis ensuite, ensuite, tu t'arranges pour que tout descende en même temps. Pour que tu aies autant faim que tu aies soif. Quand il y a les deux, quand tu as autant faim que tu as soif, puis tu as vraiment faim, puis vraiment soif, là, tu prends un trio. Fait que normalement, là, deux trios par jour. On y va. Fait que c'est ça, cher ami. On va faire quoi là? Je sais pas encore. Je pense à ça là. J'avais une affaire à aller régler, hein, mais je l'ai déjà réglé, fait que. Puis je vais prendre mon chiffre juste. Je vais prendre mon chiffre juste quand mon boss va arriver. Parce qu'il me semble que je travaille jamais avec eux, mais je travaille tout le temps tout seul pendant la journée. C'est pour ça que là j'ai décidé de. Ok, je vois par les yeux à ce moment. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, je vois par les yeux à ce moment. Holy Jesus! What is that? What the fuck is that? Ouais, non, c'est ça. Mais non, je sais pas. Je vais. Parce que là, il se fait tard un. Non, je pourrais organiser de quoi à soir là, mais j'ai comme pas vraiment d'idée. Hein. C'est ça là, je suis à. J'ai commencé à travailler, j'ai commencé à payer pour eux. Ok. Je suis rendu à 109 000. Ouais, c'est bon. Sais-tu, je suis rendu à combien moi? Non, ben, tu dois être riche. Tu veux te savoir? Vraiment? Bon, vas-y. Ok, en banque, en argent, c'est là que j'en ai le moins, ok? J'ai 283. 283 piastres? Ouais. Puis en banque, j'ai combien? Combien? 900. 900 piastres? Ouais, messieurs. Comment ça, Big? Parce que j'en profite de mon argent, je travaille, puis après, ben, je costume mes chars. Ou je vais à Cuba, je fais des affaires. Mais je m'en fous, moi. Je suis pas là pour faire de l'argent, là. Ouais, mais là, je sais pas en quoi la dépenser, là. Si je voudrais faire de la. Si j'aurais besoin d'argent, je vendrais un de mes chars. Juste le char que j'ai dans le cul, il vaut 3 millions facile, fait. Ouais, mais là, je sais pas quoi faire avec mon argent, là. J'ai juste 100 000, là. Je peux pas. Tu veux que je fasse ça avec 100 000? J'ai rien à acheter. En premier, moi, je te dirais de te louer un petit appart, tranquille. Comme ça, tu vas pouvoir. Le truc, là, avec le Burger Shop. C'est d'aller au Burger Shot, ok, avec un camion. Tu rentres dans le Burger Shot, tu prends 10 trios, ok?
5 trios croquettes, 5 trios cheese. OK? Ça te coûte 4 000$. OK? Tu prends ces 5, ces 10 trios-là, tu sors du Burger Shot, tu t'en vas en arrêt de ta boîte de pick-up, tu drops ça dans la boîte de pick-up, tu re-rentres dans le Burger Shot, tu reprends 10 trios à 4 000$. Tu reviens dans ton camion et tu re-remplis ton camion. Tu retournes dans le Burger Shot, puis tu le fais une dernière fois, mais là, tu pourras pas le mettre complet. Fait que là, tu t'arranges à la fin pour avoir 5 trios de chaque dans tes poches, plus ta... que t'aies pas faim ni soif. Okay, après bon, c'est compliqué par après ça, tu prends tous tes trios de ton que tu as dans ton camion, tu les amènes ici, ou dans ton appart, peu importe où, puis tu vas les porter dans ton coffre. Dans ton coffre, tu peux stocker autant d'affaires que tu veux. Ok, puis cet appart-là, elle coûte combien par mois, par jour? Ben, en fait, les apparts ici, ils sont vraiment le fun parce que le garager, il est juste en dessous. Ah, oh, mais c'est ça, mais ça te coûte à peu près combien par jour, toi? Moi? 3 350. 13 350, excuse. Ok, puis avec 100 000, je suis correct. Devrais-tu me le prendre? Ben, avec... ce qui se passe, là, c'est que à toutes les 24 heures, ils vont débiter de ton compte 13 350. Chaque 24 heures. Que tu sois réveillé, que tu fasses un court sommeil, que tu sois insomniaque ou que tu fasses un long sommeil, mais tu sais, un long sommeil, ou même que tu partes en voyage pendant des semaines, ton loyer va quand même être débité. Ok. Mais tu peux le rendre quand tu veux. Fait que, tu me le conseilles-tu, mettons? Ben, va en visiter une. Ouais, je les ai déjà toutes visitées. Y'en a-tu une qui a flashé? Ben, c'est du luxe, là, c'est beau, là, mais tu me conseilles, ferais-tu de m'acheter un plus beau char que ça avant? Tu voudrais quoi comme char, genre? Ben, un petit char comme t'as, que t'as là. Le quoi comme j'ai? Quel petit char? Ben, celui que t'es là. Oh, c'est une Porsche! Ok, ouais, ça coûte cher. Mais, non, mais attends, c'est parce que j'en ai un que je me servirai pas. C'est parce que, faut que tu saches, ok, une chose avant que je te le montre, le char, ok? Je l'ai acheté pour faire une joke, ok? Donc, je l'ai acheté pour un événement. L'événement, c'était néon. Ok? Je vais juste te dire, ok? Mais le modifier, ça te coûtera rien, mais au moins, il te coûtera rien à acheter non plus. Attends, là, J'ai quoi, tu veux genre me le donner? Ouais. Ben, je vais te le vendre une pièce, en fait, hein, je suis obligé. Viens, je vais te montrer. C'est quand même... Mais je te dis, tu peux changer la couleur toute, là. Moi, j'ai fait exprès pour le faire laid, là. Hein? Je suis là. Moi, j'ai fait exprès pour le faire laid. Le but, c'était ça, là. Elle est là. Tu peux le stocker jusqu'à combien de chars dans le garage? Tant que tu veux. Parce que là, j'ai la Buffalo du Ah non, excuse, je me suis trompé. Excuse. Pas elle? C'est une GTH. Ouais. Non, donne-moi pas ça, là. J'aimerais bien ça en avoir une. Hop, je me suis trompé. Désolé. J'aimerais ça avoir ce char-là un jour, mais pas là. Ouais, mais c'est parce qu'il coûte pas cher à modifier. La GTR? Ah, elle a. Oh, y'a pas de commentaire là? Ben, c'est pas lettre, c'est pas un char mauvais non plus, mais c'est un beau char quand même. Ben, modifié avec des beaux mags pis tout, elle est plus belle là. Je pense que j'ai mis un turbo. Hein. Attends, on va voir. Elle a un beau petit son, par exemple, je l'aime pas. Mais bon. Mais là, tu t'es déjà modifié? Ben, y a un turbo en tout cas. Ah, non, y a pas de turbo. Mais t'as ça? Hein? J'ai fait mettre la peinture, c'est roux. C'est
c'est un peu. Mais modifié, je te dis, ça te coûtera rien, puis tu peux en faire quand même quelque chose de beau, là. Mais là, as-tu déjà modifié un peu? Ben, juste l'esthétisme. Mais la mécanique, ça coûtera rien. Ça va te coûter 15 000 à tout péter pour tout upgrade. Hein. Ok. Mais ça, là. De toute façon, le LS pis Benny, il est fermé. Embarque, putain. Hein? Embarque? C'est bon, la porte. Non, pas ça que je voulais faire. Grave. T'as juste allé serrer nos chars avant. Je sais pas si tu vas pas embarquer dans le mien. Non, mais embarque dans le tien, j'ai le mien serré. Rhume de cerveau. Oh, non, venu. Yo, Mich? Ouais. Comme eu un petit. Ouais, et toi? Ouais. Ouais, moi aussi. Genre, ça allait un peu bugger puis c'est revenu, là. Ouais. Toi aussi? Ouais. Oh. Thank you.
Allô? Allô? Ouais. Bon, ok. Et mon char, là? On est dans la merde, hein? Faut le sortir. Bon. On va aller au concessionnaire de l'autre bord. Qu'est-ce qu'on va faire au concessionnaire? Je vais trouver un nouveau char. Qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, mais la plupart du temps, je suis même pas capable de voir les. Ma TV, je les connais par cœur. Mais c'est parce que je suis pas capable d'acheter les. Genre, mettons, quand que je vois sur l'écran, débord ta porte. Attends, pas y vite. Vas-y, attends, vas-y. Oh. Genre, je suis pas capable de voir, mettons, le temps de la page où je suis pas capable de voir les chars d'en bas. Ah, je vais te montrer. Sais-tu comment? Sais-tu pourquoi? Les chars d'en bas. Genre, mettons, là, dans la page, il y a comme deux. Il y a comme. Mettons, double maillot. Double. Oui. Puis là, t'es genre comme. La première rangée, puis la deuxième rangée. Et on va y aller ensemble, là. Je suis capable. Je vois la première rangée avec les prix, mais je vois pas la deuxième avec les prix. T'aimerais quoi comme char? Hein? Un beau petit char, là. Genre? Sport, off-road, tuning, pas tuning, ben ouais, tuning, genre GDM, je sais pas. Ben c'est parce qu'un char sport, t'as pas, en bas de 100 000, t'as rien, je pense. C'est quoi que t'aimerais comme char sport? Ben, peut-être une Mitsubishi. Ils en ont dessus? Ben, ils ont l'équivalent, là. Ok, parce que je sais que dans demain, ça, je pense qu'ils vont en sortir bientôt, je pense. Excusez. Ah, t'es sûr. Sortez. Il y a des barres pas de short tout de suite, attends, tu vas voir. Faire quoi? Un showroom. Voilà. C'est bon.
Qu'est-ce que t'arrives pas à voir là? Ben, mettons, là, genre là, je vois toutes les catégories. Genre, je descends ma sous-descends, pis genre, je vois pas, mettons, le prix du vélo, des deux vélos pis de la Ferrari. Écoute, mais la Ferrari est marquée prix zéro. Non, moi, je le vois pas, ça. Je vais te voir, tu vois quoi, de bord? Moi, je vois tout. Tu vois pas acheter pis test de conduite au BMX, exemple? Ouais, non, je vois pas. Toutes les trois chars en dessous, je vois pas de test de conduite et acheter. Si tu scroll ton muscle souris, c'est la même affaire, je peux plus. Ok, ouais. Bon. Je fais ça depuis le début. Ouais. Je sais pas. Bon, et on va aller sur la première section de bord. Qu'est-ce que tu fais que tu peux pas te payer le Buffalo DOJQC? Hein? Tu vois-tu au moins les images? Ouais, mais je vois pas, je peux pas les essayer. Non, non, c'est bon. C'est normal? Non, c'est pas normal, là, mais ça, tu feras un rapport de bug ce soir. Mais en attendant, si t'en vois un qui t'aime en bas, demande-moi, je vais te dire combien. Je pas plus capable de l'acheter, je te dirais. Ben, à date, les trois derniers d'en bas, c'est 5000, 5000, puis 5900. Ok, donc moi, je suis genre, mettons, là, dans le sport, là, c'est. Mais oui, Buffalo. Mais faut pas. Mais non, j'ai la bas. Oui, mais faut pas que tu regardes les chars à 1 million non plus. Non, là, je suis au début, là, je suis à page 1 des sports. Attends, je vais aller. Ouais, c'est bon. Fait que là, exemple, sur cette page-là, je te dirais que c'est pas mal la limite que tu pourrais. Ok, mettons le char rouge au milieu en bas. 72 000. C'est quoi le nom? Kuruma. L'autre à côté, c'est quoi? Et quel côté, à droite ou à gauche? Droite. Penumbra. 70 000. C'est l'équivalent d'une Mitsubishi Eclipse. Ouais, pis l'autre, c'est une Mitsubishi Lancer, genre? Ouais. Mais attends, c'est parce que. Attends. Je pense qu'il y en a une Kuruma à vendre en plus sur internet. Ouais, regarde, il y a une Kuruma ici. Le gars il demande 30 000. Le gars il demande 30 000. Attends. Le char du milieu, la Kuruma du milieu, il y a quelqu'un qui demande 30 000. Ouais, je sais, je t'ai prêt à checker. Mais je vais l'appeler, il m'a réglé ça, moi. Si t'as vu, tu peux l'avoir. Tu peux même l'essayer avant. Ouais, mais si tu l'as vu sur Yellow Page, tu. Je vais régler ça. Oh, je le connais. Je me souviens pas de où, là. Personne n'est pas en ville. J'avais son nom dans mon répertoire, mais ça me dit rien. Marc-Olivier. Ouais. Mais j'ai déjà dans mes contacts. Il y a rien de fait. C'est ça qu'on est intéressé. Oups, là, je peux pas appeler. C'est 20 chenoutes que je puisse pas voir les chars d'en bas. Non, mais 30 000, c'est pas cher, c'est pour moi. Ça, tu l'aimerais. Tu veux un char sport? Ça, c'est parfait. Ben, moi, j'ai dit mon char de rêve, c'était le Mitsubishi Lancer. Bon, mais tu vois, la Kuruma, c'est l'équivalent. Tu peux même l'essayer avant, puis elle full custom en partant, fait que t'as rien à faire dessus.
Mais... ça prend un bout de temps qu'il est retourné. Ouais, je me suis dit, on n'est pas attendu ça. Tu l'as, toi, tu l'as testé là? Ouais, pourquoi? Ouais. Chanceux. Pourquoi? Bah, t'es chanceux, j'ai raison. Hey, l'autopilote, là, ça vaut pas un clou, hein. J'espère que tu le sais. J'espère que tu sais que 99,9999999% du monde l'utiliseront jamais. Ils vont l'utiliser une fois, le tester. Ils vont mourir en l'essayant, puis ils retoucheront plus jamais. Ok, parce qu'il marche pas bien? Non, il marche pas bien. Il dépanne, mais il marche pas. J'en regarde. Si tu veux l'essayer, tu peux l'essayer. Non, 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 c'est correct, j'ai pas envie de mourir, d'attendre 20 minutes, là. Non, 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 mais je parle, si tu veux l'essayer, la Tesla, sans le pilote, sans l'autopilote, ça me dérange pas, là. Ah non, tu me l'as fait essayer l'autre fois. Ah, ok. Ben, tu me l'as pas fait essayer, moi qui conduis, mais on embarquait ensemble la première fois qu'on s'est vu. Tantôt, si tu embarques, si tu veux conduire, ça me dérange pas, là. Non, pas tout de suite, là, c'est pour vrai, là, je check. Qu'est-ce que je faisais, là? Je faisais ça. Pas ça. C'est tellement pas ce que je veux faire, là. Let's get ready to... Ah ouais, donne-moi en un, là. Parce que, tu sais, quand tu pèses sur le muscle R sans faire par exprès, là... Je sais. Tu savais combien... Si tu savais combien de personnes j'ai frappé, là... Si tu savais combien de personnes m'ont frappé, là... T'inquiète pas avec ça, là. On parle-tu d'hier au sommet de la montagne? Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, honnêtement, là, la Bilista, je la trouve quand même sexy pour vrai comme char à 2000$. Yeah. Honnêtement, moi, je la trouve belle, là. La Bilista. C'est un véhicule compact. Ouais, je la vois. Moi, là, c'est une de... un de mes chars que j'adore, là, c'est la Isis classique. Tu peux vraiment full la modifier, ça coûte absolument rien, puis il y a full modification à faire dessus. Ok, la Easy, mais pas celle à 6000, là. Hein? Pas la 6000. Non, c'est la 5000, la vieille, la Isis classique. Bon, dans... Elle va être dans le compact. Ah, je gage que c'est la côté de la côté de la Easy. Je la vois pas, je vois pas le prix. Ok, la BF Wild Wheel est à 120 000. Elle est à côté, ouais, elle est à côté de la Blista pis la Isis. Ouais, j'avoue pas. Je vois pas le prix. C'est 5000. Mais peut-être que si je vais dans, mettons... Mettons avec 100 000, là, je peux aller jusqu'à page 26. Hein? Avec 100 000, je peux aller jusqu'à page 26. Je pense que c'est facile. Peux-tu t'en aller à page 25, s'il te plaît? Ouais. Le char rouge, là, à côté de la Winnebago, là. Ouais. Peux-tu me dire t'as combien s'il te plaît? 98 000. Parce que je vois pas les prix. 98 000. Il est quand même beau pour ce prix-là. Question de goût. Je vais faire de quoi? Comment c'est plate? Toujours là? Ouais, monsieur, je suis en train de faire une petite affaire, laisse-moi une seconde, ok? T'es prête? Ah! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je vais voir.
J'en avais un, mais je sais pas comment pantoute mettre la musique dessus. T'en sais? Ouais, ça, je suis pas capable. C'est ta musique à toi? Ah, Michel? Ouais. Ta musique à toi? Ouais. Mais c'est YouTube. Pas capable, j'ai essayé de mettre des vidéos l'autre fois, pas capable. Je t'expliquerai. Mais là, tu as dit ton char. Hein? Tu as dit ton char? Non, j'ai rien acheté encore. Pas sûr de le faire. Désolé d'avoir embarqué dans ton char. C'est niaisé. Peux-tu juste baisser un peu le son, s'il te plaît? Ouais, quand même. Parce que j'entends plus la musique que ta voix. Correct, là? Pardon, plus fort un peu, toi. Tu m'entends-tu mieux, là? Ouais, là, ça, c'est excellent. C'est correct. Donc, tu t'en prends pas de char? Parce que honnêtement, je sais pas si c'est une bonne investissement, là. Ben, je peux te la montrer, les S10 classiques, si tu veux, au pire. Hein. J'en ai deux, trois des petits qui coûtent pas grand-chose à modifier, là. C'est parce que, comme je t'ai dit, là, mettons, je vais dans... Mettons, là... Attends, il faut que je la retrouve correctement. Si je peux même pas l'avoir. Je peux même pas acheter la Mitsubishi. Quelle? La Kuruma? Ouais. Mais attends que l'autre qu'il nous écrive, on va aller la voir. Il fait que là, pour l'instant, ça sert à rien. Ben, il demande 30 000, full custom. Bon, ben, écoute. Ok, bon, ben, on... Ok. On va attendre. Ok, je pense que j'ai trouvé comment faire jouer de la musique. C'est moi qui en appelle, c'est toi? C'est moi. Ouais. Oui, allô? Oui, allô. Ouais. Oui, on appelait pour ta Kuruma. Tu l'avais-tu toujours? Ouais. Ah oui, j'ai toujours. Parfait, tu demandais combien? 70 000, mais je peux baisser à 65 000 parce qu'il faut que je la sorte du garage, j'ai pas 2500. Ok, parfait. Ok, je peux te baisser. Mettons que tu me passes 2500 pour le... La sortie, je te le represse à 65 000. Laisse-moi une seconde. Il demande 65 000. Ben, il la vendait pas à 30 000? Non, il y a 30 000 de motif. Mais c'est un bon prix pareil. Ouais, parce qu'il y en a qui demandent 110 000. Donc, est-ce possible de l'essayer? Ben, ouais, il est possible de l'avoir. Hein? Fait que tu veux qu'on la voie ou... C'est bon, pas... Non, c'est pas toi, je parlais, excuse-moi. je te parlerai pas comme ça, non, c'est à monsieur à côté hein, de moi. Ouais, c'est ça. Fait que... Oui, monsieur. Oh, excuse. Y'a pas de trouble. Fait que, attends-toi, là. Alexandre? Oui. Honnêtement, tu peux pas trouver mieux sport que ça pour le prix. 68 000? Ouais. Elle va bien en Simonac. Honnêtement, c'est un super bon char. Hein. C'est un de mes premiers chars que j'ai eu dans la ville. C'est sûr que c'est intéressant, mais après ça, j'ai trippé. Qu'est-ce que c'est, Alexandre? J'ai dit après ça, j'aurais presque plus d'argent, fait que... Ben, c'est pas grave. Tu fais une journée au taxi, puis c'est réglé.
Bon, ben c'est bon, ok, go. Ok, parfait. Tu serais disponible quand? Là. Parfait, on peut-tu se rencontrer au parking day? Vu qu'il est à côté du concessionnaire, où ton chat est dans un autre garage? Il est au garage B. Ben, je peux le sortir n'importe où, là, parce que faut que je le récupère à 2500. Ok, parfait. Parfait. Fait qu'on peut aller à la revente de véhicules, si tu veux. Oui, il n'y a pas de stress. Ouais, ok, ouais, on peut aller, se rejoint là. On se rejoint à l'aréna. Ok, parfait. Bye. C'est bon, mais c'est toi, on y va. Mais 68 000, ça vaut... Ben oui, ça vaut à peine. Et full custom. Je suis capable d'avoir au moins 2500 pour que je sorte du parking du garage. Ouais, y'a pas de stress. Ok, c'est bon. Ciao. Okay. Il va falloir qu'on la. Mais il faut qu'on la sorte, par exemple, ok? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça veut dire que le gars, il a pas le 2500 qu'il faut pour la sortir. Fait qu'il va falloir qu'on y transfère. Ben, que tu y transfères. Mais ça va être déduit du montant du char. Ok. Ok, bon. Tu l'as-tu content? J'ai 2300. Tu peux. Attends. 2300? Ouais. Tiens, t'as 2500. Bon, là, faut aller au parking. Oh shit. Bonjour. Bon, mon GPS est bon là. Ok, on s'envole lourd. Tu passes par là, pourquoi? Pourquoi tu passes par là? J'aime mieux prendre par là. Disons que c'est pas un quartier que je préfère, que j'aime aller souvent, disons. C'est peut-être parce que c'est mon premier char que j'achète, là, mais je chic. Non, t'inquiète pas, ça se passe bien, là. Il y a pas de transfert, c'est une safe zone, de toute façon. Il peut rien t'arriver, là, t'inquiète pas, là, ok? Stresse pas avec ça, le gars peut pas te braquer, il peut pas te voler ton argent, il peut pas te crosser, il se passe rien, c'est une safe zone. C'est une zone sûre, il y a rien le droit de se passer, là. De toute façon, tu vas voir comment ça fonctionne, c'est super facile. Il n'y a pas de transfert d'argent, puis il n'y a pas de rien. Tu vas voir. À quelle couleur? J'ai pas demandé. De toute façon, tout ça, ça change, hein. Ah, mais pour ça, il faut que le LS puis le Benny soit bon. J'étais allé au Benny tantôt, moi, juste avant que tu m'appelles, puis la proprio était là, là. Celle qu'on a vue l'autre fois, là? Ben là. Ok, le parking G est au stade? Non, c'est le parking D. Le parking G, il est où t'es venu me chercher tantôt chez nous. Ici, c'est le parking G. J'ai arrêté ça parce que j'ai presque plus de fuel. Là. Et c'est quoi le muscle pour arrêter ton char? Muscle F9. Allô? Allô? C'est la muscle F9. Ah, j'étais. Bonjour, monsieur. Allô? Ah, c'est toi pour... Ouais. Ok, parfait. Bonjour. Bonjour. Ouais, fait que, au fond, Alexandre, tu peux y envoyer... Je vais juste m'éloigner pour pas que ça passe dans ma poche à moi. Tu peux y envoyer... Dans ma poche. Ouais, c'est ça.
Puis ça, je faisais comment? Fais ton muscle. Ouais, il va t'expliquer. Tu fais ton muscle F2. Et voilà. De mettre le montant complet? Ouais. En fait. C'est écrit le 1, c'est là que tu mets ton montant que tu veux mettre. Mais en fait, Alexandre, là, c'est tout le temps conseillé de mettre 1$. Puis ensuite d'y transférer la balance. Parce que s'il arrive quoi que ce soit dans le transfert, ben le gouvernement rembourse pas. Fait que c'est juste une pièce qui va être perdue dans la nature. Ça sera pas. Ouais. C'est des centaines de milliers. Ouais. Bon, on embarque, on va aller l'autre bord de la rue. Hey là. Pourquoi j'ai plus de contrôle sur mon char? C'est quoi ça? Pas moi qui l'ai non plus. Oh, mon chat, il freeze. Wow. Alex, tu voulais un char sport? Oh, j'ai perdu mon chapeau, moi, quand tu m'as frappé. Voilà. Ouais. C'est mon premier char que j'ai eu. C'est ton premier char que t'as eu? Ouais. Je me laisse faire donner par le propriétaire du vignoble, la vignerie. Chanceux. Ah, moi aussi, on m'a acheté mon premier char. C'est tout moi qui ai mis des modifications dessus. Ben, je pense que c'est toi, Mich, qui m'a acheté mon premier char. Je sais pas, peut-être. Ben oui, le char custom là, de Joe. Fait que, t'apprends-tu? Ben, c'est possible de l'essayer avant? Vas-y. Ben. J'aimerais mieux t'embarquer avec moi pour être sûr, là, pour pas que je brise tout. Ben, si tu brises, je m'en fous. Là. Ça il passe aux assurances. Ça. Ah, il s'en va dans le garage. Je ressens plus ce char là. Moi. Vas-y. Alex, va te faire un fun. Fais-toi pas arrêter, Pam. Par exemple, je paye rien de ça si tu arrêtes. Ouais. Vas-y. Non, mais je vais l'essayer ici, dans le parking. Seigneur, et pas peur, sacrement. Vas-y. Y'a personne qui va te partir après parce que. Encore lisse? Ouais, c'est ça, tu lui donnes ton 65 000, okay. C'est un esti d'aubaine en tabarnak, là. Ouais. J'en ai vu des full custom à 110 000, là. Parce qu'il a vu le char que j'avais, là. Ouais, la Skyline. Ouais, c'est ça, c'est le seul char que je vais avoir maintenant. Avec un autre. Je vais m'acheter la Kenzo, là, la Civic, là. Ouais. Je suis plus un gars de truck, moi. Ouais, moi, tout, je vais m'acheter un truck, t'inquiète. Je suis un gars de. Je vais aller faire de la trail, c'est sûr et certain. Je suis un gars de trail, en vrai. J'espère qu'il n'y a pas de skidoo. Parce que en skidoo, si j'aurais aimé ça, je l'aurais acheté tout de suite. J'aurais flobé mon argent dans un truck puis dans un skidoo en partant. Dans un skidoo? Un sidoo. Un skidoo, c'est en neige. Ah, tu penses qu'il va en avoir? Je sais pas, mais ça aurait été le fun. Ouais, c'est ce qu'on disait justement, parce que nous autres, Si il y en aurait eu un, ça serait j'aurais été le premier à acheter un. Nous autres, moi, c'est les trucks que j'adore, là. Ah, moi, tout, je suis un chauffeur de truck. J'adore. J'ai un F-150 et vieux d'outils chez nous. OK. Je traîne mon Mascaline pour les courses, les drags.
Je suis un gars de drague, pis fait que. Fait que j'ai pas le choix d'avoir un truck pour traîner un trailer, là. Ouais, mais sinon. Parce que ma scalane que j'ai en astral, je la utilise pas l'hiver, je l'utilise pas l'été, je l'utilise juste pour les drags pis les shows. Hello. Les shows de corps, j'ai deux scalanes, une que j'ai montée exprès juste pour le drag. Puis okay. J'ai monté une pour exprès juste pour le show inside, les shows de corps. Ah, mais si toutes les pistes peuvent arrêter de fermer, hein. Ben, Icar, elle fermera jamais. Non, mais de Saint-Eustache, moi, c'est un peu Saint-Eustache. Saint-Eustache, c'était que j'étais en crise. Ah. Fait que t'as apprendu, mon Alex? Ouais. Parfait. Fait que regarde, mon. Moi, j'ai jamais. C'est la première fois que je fais ça, je sais pas comment faire. Ben, regarde, au fond, c'est super simple. Tu vas rentrer dans ton char, tu vas faire ton muscle T. C'est 65 000 que tu demandais? C'est 65 000? Ouais. Ok. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le mettre une pièce. Ouais, puis il va transférer 65. Puis tu vas me transférer 64 900. Ben non, il va transférer 65, le Christy, pour une pièce. Il n'y a personne qui va mourir. Fait que tu me transféreras ça direct dans mon compte. Carte de crédit. Fait que, au fond, là, tu fais ton muscle T. / vendre. / 1. Là, tu vas débarquer. Ça va te faire débarquer de ton char. Et voilà. Là, tu envoies l'argent. Ok, fait que là, moi, je fais quoi, là? Tu sors ton téléphone. Ouais. En premier, pogne ton char, hein, avec un œil qui arrive et qui te le prend. Ouais. Okay, mais en même temps, on est dans une safe zone, fait que théoriquement, il devrait faire. Ouais, mais théoriquement, il pourrait le faire, il s'en calisse, puis se faire. Ouais. Ça t'appartient. Puis là, en ce moment, tu peux pas le barrer. Okay. Parce qu'il faut attendre la tempête pour avoir les clés. Ouais. Parce que les clés retournent à ton char à chaque tempête. Ouais. Fait que là, c'est toi qui. Dans ce moment, c'est moi qui peux abarrer, qui peux la débarrer. Mais c'est normal, c'est normal. C'est normal. T'inquiète pas, c'est normal. C'est pas grave, mon colis. Si t'as un autre char, là, au pire, tu le mets, tu l'aides dans ton garage. Puis tu utilises en ce moment ton DOJQC. Non, mais il peut l'utiliser aussi, il n'y aura pas de... Il peut l'utiliser, mais il ne va pas trop... Éloigne-toi pas trop loin. Là, en premier, qu'est-ce que tu vas faire? Après que tu m'aies transféré ton 65 000, tu vas aller en haut dans le garage, tu vas aller l'enregistrer dessus. Ok, fait que là, c'est quoi ton... La même que tu m'as donné. Ton numéro de poche. C'est 24. Fait que là, tu vas aller dans ton cellulaire, tu vas aller dans ton application téléphone, dans ton application banque, excuse-moi, tu vas faire ta touche entrée. Ouais, ça je sais. Ok, tu vas marquer son numéro de poche, puis le montant. On déduit. Non, envoie-y 65, là, arrête de chialer. Tu sais, le char que tu viens d'avoir, là. Thanks you. Le char que tu viens d'avoir, là. J'ai juste payé 482 000 sur 900 000, là. Puis je l'ai, le char avec mes clés, tout. C'est le char que tu m'as vendu? Non. Le char blanc que t'as vu, là. La Scalane blanc. Ok. J'ai juste payé le gars 482 000 sur 900 000 pis j'ai les clés tout. Tu te sauras ce que j'ai fait, hein? J'ai acheté le side-by-side à Pierrette, j'ai payé 40 000. Le vrai side-by-side qui va sur la F-350. Que tu donnais en Bitcoin, genre? Ouais, mais c'est parce que j'ai déjà son F-350 pis il manquait de galant. Ah, c'est ça. Je vais le parquer dans le jeu, genre? Ouais, tu peux le rentrer pis le sortir tout de suite, y'a pas de trouble. C'est juste que ça le sauvegarde. Ouais, c'est ça, faut que tu le sauvegardes, sinon tu vas le perdre, je pense, c'est ça? Non, pas nécessairement, mais il y a des risques, fait qu'on... Il y a des risques, ouais, c'est ça, il est mieux que de le sauvegarder. C'est comme moi, ma Tesla, je l'ai toute modifiée, je l'ai pas amenée au garage, elle a été accidentée, je l'ai laissée là, il y a eu une tempête, toutes mes modifications sont parties. Ouais, c'est ça, à chaque fois que tu modifies quelque chose, faut que tu le sauvegarder dans ton garage. D'ailleurs, j'espère que t'avais pas une GTR. Non, j'ai pas encore donate. Je suis pas encore un donateur du serveur, mais dans pas long, ouais. Non, c'est parce que les GTR, ils ont tous perdu leur modif. Ah non, t'inquiète. C'est ça, je te demandais pourquoi. Ah, y a pas eu de raison. Non, mais je savais pas c'était quoi. Ah, ok. Ouais, je l'avais pas. C'est parce que ça, c'est des véhicules importés. C'est des véhicules importés. C'est des véhicules Bitcoin. Ben, on appelle ça des véhicules importés. Puis les véhicules importés, ils sont tout le temps. Tu sais, coup-ci, coup-ça. Là, ça marche. Ouais, ça marche pas, c'est ça. C'est comme la Sultan R8, là. Ouais. Mais la Mercedes, je l'ai vu dans le concessionnaire à vendre avec la 1 million, genre.
Ouais, mais c'est parce qu'ils sont ben trop abusés, là. Hey, attends. Une Bugatti coûtera pas plus cher qu'une BMW. Elle coûtera pas moins cher qu'une BMW, là. Ben, c'est ça, la BMW, t'abaisse le prix. 4 500 000 pour une BMW, c'est ben trop cher, là. Oh, c'est ça. Après ça, t'en as 2 millions supplémentaires pour la custom. Ouais, c'est ça. Mon friend, il a la Spider. Ouais. Ben, je pense que j'ai pas vu d'autres personnes avec une Spider. Quelle? La Spider qui est en importée. La Mercedes? Non, Spider, la Porsche. Ah, je l'ai. Tu l'as? Ça veut dire que vous êtes deux qui l'ont. Ben, on est une gang à l'avoir, en fait. Ok. Qui se trouve ça? Ben, j'ai pas vu personne la vendre en ce moment. Là. Ah, mais non, parce qu'il y en a pas à vendre. Yo, les boys? Ben, oui. Je trouve ça, ouais, ok. Genre, je vais sauvegarder le char au garage. Oui. Il est à 61 décembre. Mais c'est normal. C'est normal. C'est pour ça que le gouvernement paye l'essence. Ouais, c'est ça. Parce que l'essence, elle n'est pas sauvegardée dans ton garage. Tu travailles au taxi? Ouais. Tu vas voir, tu vas mettre 100% ton chose, tu vas le rentrer, tu vas en sortir un autre. Fait que, admettons que ton taxi il est tout accidenté, mais tu es capable de te rendre à ton taxi, range-les puis ressors-en un autre à place de payer tout le pays. Ok, ouais, non, mais je suis obligé de bien conduire avec mon taxi. Ouais, je sais, mais. Tu peux jamais savoir qu'est-ce qu'ils font les Américains. Non, surtout les Américains. Mais là, petite question, là. Ouais. Mettons, là, pour que je puisse avoir les clés, il faut avoir une tempête. Hey. Ouais. Relax, Alexandre. Les clés, là, c'est juste pour barrer puis débarrer le char à distance. Tu vas pouvoir. Le char, là, il peut pas partir avec. Il y a personne qui peut te le voler, là. Stresse pas. C'est juste que pour l'instant, tu pourras pas le barrer puis le débarrer à distance. C'est tout. Regarde ça. Tu peux pas le faire encore, c'est tout. Parce que c'est lui qui a les clés dans ses mains, puis ça, on peut pas les donner. C'est juste pour ça. Ça aurait été le fun qu'il ait la commande de donner les clés, par exemple. J'ai acheté plein de chars, moi, puis t'inquiète pas, c'est normal. Ouais. La tempête, il y en a une assez souvent, de toute façon. Ouais, c'est ça, il y en a une à 5 heures à soir. Hein? Mais non. Il y a eu une tempête hier. Ouais, hier à 5 heures. 5 heures. Mais c'est pas à tous les jours à la même heure. Ouais, mais il y en a eu une à midi, puis il y en a eu une à 11h30. Non, celle de midi, c'était un bug. C'est une tempête? La tempête qu'il y a eu tantôt avant qu'on se parlait au Power Garage B. Ouais. Mais c'est une tempête, ça. Ok. Fait que j'adore du serveur. Ouais, je sais. Moi, j'ai parlé tantôt au modo, puis ils m'ont dit que. Parce que moi, j'arrivais pas à me connecter. Normal. En ville. Non, c'est ça, faut t'attendre le go. S'il y a une tempête, tu peux rien faire. Non, c'était pas pendant une tempête, c'était avant la tempête. Non, c'est ça. Si tu crises ton cas avant la tempête, tu peux pas revenir. Non, c'est pas ça. J'étais juste pas rentré dans la ville. J'arrivais pas, puis ils m'ont dit c'est à cause de ma cache, puis en fin de compte, c'était un fichier dans la ville. Ouais. Ben, quand il y a une tempête, je te conseille tout le temps de vider ta cache. C'est ça que je fais maintenant. Ouais, moi aussi, chaque tempête, un petit village de mémoire. Ta cache. T'as pas le choix. Parce que ça se peut que t'aies des bugs avant de la tempête. Parce que les affaires que tu sauvegardes dans ta cache, là, c'est avant la tempête. Fait que ça se peut que tu rouvres une manée ton jeu, tu viens en ville, pis t'as pas vidé ta cache, t'as des bugs de l'ancienne tempête. Ah, ça m'est arrivé une manée. C'est pareil, hein? J'avais oublié de vider la cache, pis j'avais les bugs avant qu'il y ait une tempête. Ah, pour vrai, elle est vraiment belle. Pour le prix, là, tu me fais un prix quand même gagner. J'ai changé la couleur, moi, 6 fois. Ben, tu sais, moi, parce que moi, mon rêve, c'était d'avoir une Mitsubishi Lancer. Ouais, mais c'est l'équivalent, là. Hey, tu veux sourire? Ouais. Ça a le cul, ça a les portes d'un Charger, le devant d'une Mitsubishi, puis derrière d'un Subaru. L'aileron, le Subaru. Mais pour vrai, je l'ai testé. Allô? On t'entend. Ouais. Ok, il y a comme eu un petit over, un petit problème. Pas de notre côté, en tout cas. Non, c'est ça arrive. Non, l'aileron, je l'ai mis parce que je le trouvais sec. M'entendez-vous encore? Ouais, oui, on t'entend. Là, arrête de parler de ça, on t'entend. Non, ok, c'est parce que là, mon écran est devenu tout noir. Un petit dodo éclair au père. Bon, je vais perdre le char avec lui. Le char, il va rester là. Ok. Fait que je reviens. Tu peux pas ici. Parce que ce que tu fais, c'est considéré comme un vol de véhicule, puis tu peux pas ici. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as pas le droit de voler des chars dans une safe zone. Donc, ouais. Donc en ce moment. J'aurais aimé mieux. Avant de faire ton dodo éclair, il va arranger dans ton. Pas le ah, mais tant qu'on reste ici, il n'y a pas de danger, le char bougera pas. C'est ça, c'est dès qu'ils sont, n'aurait pas été là. C'est ça, si on est ici, il n'y a plus personne pendant longtemps. Fuck.
Fait que là, je peux aller faire mon petit dodo éclair. Oui, vas-y, y'a pas de danger. Ouais, comme tantôt, je pars de la caserne. Bam! Bon, j'ai un problème de tête. Mon jeu crash. Oh. Je reviens, je suis en plein milieu de la rue. J'arrive, y'a un truck qui me rentre dedans, qui me fait voler dans le sens inverse, puis un autre truck qui me rentre dedans. Je suis mort. 20 genre, belles minutes d'attente. Non. J'ai fait un F8 slash report. Je me suis fait ramasser en arrivant en ville par deux trucks. Ok. Ils m'ont remis debout. Ah ouais, t'inquiète, quand tu fais un spawn coma, là, je te conseille de faire quoi? F8 slash report spawn coma. Ils vont te remettre debout. Ça, c'est des astuces de problèmes de ville. Non, mais fais attention parce que c'est conseillé comme l'utilisation d'un bug. Ouais, mais. Parce que normalement, quand tu tombes, faut vraiment que tu restes. Tu peux même pas. Même si t'as une urgence, théoriquement, tu peux même pas. Ou si tu le fais, quand tu vas revenir, faut que tu te recouches à la même place. Ah, t'inquiète, quand ils m'ont remis debout, je me suis couché, je suis revenu. Ok. Non, mais je suis allé en soutien. Puis bon, ils ont vu que j'ai spawné en plein milieu de la rue. Non, il y en a beaucoup qui font des fuites slash report pour ça, là. Parce que c'est cave, là. Je me suis fait au pays, donc, si je fais quoi? Ben, tu payes ton 6500 puis tu demandes un remboursement du gouvernement. C'est pas une bonne idée, ça. Ah, je l'ai fait une fois, mais ils s'en foutent. Oui, c'est une des règles. Le gouvernement ne rembourse pas, sauf dans de rares cas. Ah, là, c'est un rare cas, parce que ça faisait 3 fois de suite que j'arrivais en ville, que je suis pendant coma. Quand je te parle d'un rare cas, ce serait genre le citoyen qui, en se connectant, il a tout perdu. Ouais. Bon, là, tu vois, ils vont essayer de voir ce ben, qui est possible. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ils l'ont vu, le monde. J'étais avec du monde à côté de moi. J'ai dit, il faut que je fasse un dodo quick. J'avais des témoins devant moi. Juste avant-hier, là. Ouais. Il y a une vingtaine de personnes qui ont perdu pour 100 000 piastres de modifs sur leur char. Ouais. Toute la gang. Ils ont eu un remboursement? Non. Allô? Non, c'est comme ça, c'est ça. Dans la vraie vie aussi, tu perds, tu gagnes des fois. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'ai perdu. Je fais un spawn coma 3 fois d'affilée, là. Ouais, non. Ça, c'est correct, là. C'est ça que ça m'est arrivé hier. Genre, j'arrive en ville, je spawn coma. J'arrive à l'hôpital, là. Je me suis dit la première fois, je m'en vais à l'hôpital. Mais Chris, j'ai un problème de yeux, je vois rien dans l'hôpital. Je fais un dodo. Je reviens, spawn coma. Là, ils m'ont pas chargé, là. Mais en fait, il faut que tu saches une affaire, ok? C'est que si tu quittes, si tu t'endors dans le coma, tu vas te réveiller dans le coma. Non, mais j'étais pas dans le coma. Ok. Yo, j'étais là, il m'avait réanimé, j'ai vu le médecin. J'ai dû faire un dodo éclair parce que je voyais rien dans l'hôpital. Tu sais, quand tu vois pas les chaises, tu vois pas l'escalier. Tu étais juste sur une civière? Non. Hein? Non, j'étais avec des pompiers. Yeah, on était genre 6 autour. Je peux pas t'envoyer un lien, Michel? Quoi? Je peux pas t'envoyer un lien? Tu peux pas envoyer de lien par message texte, big. Okay, parce que là, mettons, je vais dans YouTube, je rentre un lien, là. C'est ton lien à Sharpie. Ah, mon dieu. Ok, là, la musique, elle marche. Ouais, c'est ça, hier, j'ai fait 3 coups de dodo éclair, mais j'ai 3 fois, j'ai tombé dans les combats. Alex, là, c'est jouer de la musique sur ton téléphone, c'est facile, mais si tu fais le party, tu vas que tu tenais ton téléphone dans les mains. À cette heure, amuse-toi avec ça. Non, c'est parce que ça, hier, j'étais pas capable de le faire. Mais c'est facile, c'est juste là une vidéo. Mais à cette heure, essaye ça. Essaye avec ça. Attends, je vais te le faire avant pour te montrer que ça marche. Non, attends, bien, je suis capable. Check. Je savais ça. Quand tu fais un party dans une maison, tu mets ça, point final. Non, mais je vais voir s'il va être capable. C'est pas de copier le lien au complet, hein. Ça marchera pas, le lien au complet. C'est pas ton cellulaire, là, c'est une radio. Ah, ça, j'ai fait 3 spawns coma à même place. Ouais, tiens, je vais t'en mettre à temps de la musique, moi. Je me suis juste fait rembourser, là. Gigi, elle a dit, là, qu'est-ce qui est arrivé. Tiens, mon chum. J'étais allé voir Gigi en soutien. Ok, mais c'est quoi qu'il faut que je fasse d'abord?
Il y avait des preuves. Moi, on avait des preuves qui ont vu que je faisais des doutes là. Ouais. Alex, c'est vraiment compliqué, sérieux. C'est pas aussi facile que ça a l'air là. Moi, c'est juste que je mets tout le temps la même tune. Regarde, je peux la remettre tout de suite si je veux. Ouais, t'inquiète, moi je l'ai. Ça m'a pris 3 jours à comprendre comment. Il faut que tu colles juste le petit morceau du lien qui est après le égal, puis avant le E. Tu sais, le logo E, le signe E là. Ouais. Bon, tout ce qui est en dessous, faut que tu le copies puis tu le colles. Ouais. Ok, donc, on, je répète, c'est pas toutes les vidéos qui fonctionnent. Ouais, à plus, Mister. Ça fait plaisir, Michel. De rien, Alex. Ouais, yes, ça me fait plaisir, moi aussi, Marco. S'il y a quelque chose, Michel, te donnera mon nom. Ouais, c'est bon. J'ai genre changé au-dessus 10 fois la couleur, man. Puis les couleurs sont pas très données. Ils sont 7000, je pense. Mais il n'y a pas de stress, Big, je te fais confiance. Ouais. Les mags, là, c'était les premiers mags que j'ai mis sur le char. Oh, mais là, je comprends pas, là, j'étais allé faire dodo éclair, puis le char était correct, puis là, j'arrive dedans, puis il est brisé. Ah, il est pas brisé. Ah, non, c'est il est juste... pas brisé, c'est normal, moi tout ça m'arrive. Ça va arriver. Après 2-3 coups, ça va se replacer, puis tu vas rembarquer, puis il va être correct. Ouais, c'est ça, ça m'arrive. Des fois, t'arrives devant, mais tu vois tout ton écran craquer. Ça, ouais. C'est juste nos cerveaux, c'est juste tous nos cerveaux ensemble qui essayent d'être. Ça arrive souvent, ça, c'est un debug de ville. Attends, avant de partir, je vais. Tu veux essayer la radio? Bon, c'est bon. Essaye la radio. Bye, Mister. À la prochaine. Tiens, essaye-la la radio. Vas-y. Ok. Fait que là, je fais jouer une musique. Ouais. Puis tu colles le lien. Tu colles le morceau qui est entre le égal puis le E. Tu vois? T'es capable. Laisse-la être bonne. Puis là, le niveau du volume, je peux mettre ça genre à 20. Ah, écoute cette chanson-là à la place. Non mais écoute cette chanson-là. T'attendais quoi, la radio? Pour vrai? Attends, tu vas ramasser cette cochonnerie-là. Là. Seigneur, ok. Ikea. Fait que bon. Sérieux, mais c'est parce que on s'en servait à Cuba pour faire le party. Hein. Ouais, je pensais pas qu'il était si fort que ça. Tu sais, t'as pas besoin de mettre ta musique, hein. Oui. Ça fait bugger mes droits d'auteur. Merci. Bah, qu'est-ce que t'as en GoPro, moi, tout, là? Aïe. Tu sais. Fait que là, on fait quoi? Ben, tu peux aller le tester si tu veux. Fait que là, il est vraiment à moi, pis tout. Oh, ouais, il n'y a plus de stress, là. Tu peux partir avec, pis t'amuser. C'est comme si tu venais de la show concessionnaire. Il n'y a plus. Y a pas de stress à avoir avec ça, là. Calme-toi, là.
Arrête, mais si t'embarques, puis tu débarques 20 fois, tu pourras pas le barrer. Pas le barrer que je veux, c'est enlever les maudites éclats de pisse. Les maudites quoi? Les éclats de pisseurs dans ma fenêtre. Tu pourras pas les enlever. C'est vraiment le temps qui va faire ça. Si tu y viens vraiment, on va aller voir Lola. Ouais, ça va coûter 3 000 piastres. 1 000. Sinon, il est beau. Ouais, il est beau. Moi, je suis plus un gars de truck, là, mais bon. Ah, Michel. Ouais. Ah, attends, c'est parce que je chuchote, excuse-moi, c'est parce que je chuchotais. Attends, là, tu devrais m'entendre. Attends. Ouais, là, je t'entends. Voilà, là, tu vas m'entendre. Je disais, moi, je suis un gars de truck. Tu trouves comment? Non, elle est belle. Tu veux aller la faire modifier un peu? Ben, tout... ça va-tu me coûter cher? Ben non, parce que il va juste rester la couleur et l'esthétisme à faire pour qu'elle soit ton image. Viens t'en, on va la faire. Ah, sac! Ouais. Excuse de t'avoir foncé dans le cul. Ça me dérange pas, tu vas le faire réparer. J'aime ça dans le jeu. Tu peux si tu veux. Parce que t'as scrappé mon char. T'as un petit d'aller faire le tour? T'as infirmé? C'est bon. Fait que là, je vais où avec mon char? Non, et t'attends vrai, dehors, là. Quelque chose de très bien, mais ça coûte vraiment trop cher. Il va te suivre. Encore toi? Désolé, merci beaucoup. Encore moi, je vais aller changer de couleur. C'est à qui, là, GTR, qui est là? Bon, je vais la décoller. Bon, Rug, il y a un gros feu ça a l'air, fait que on se revoit tantôt. Ouais. Ok, à tantôt. Ouais. Allô. De toute façon, il y a hanté mes appareils, hein. Titi. Il te manque des pneus, là. Je serais bien curieux de savoir comment elle a fait pour enlever les pneus. Mais ça, j'ai une joke à faire. T'as besoin d'une réparation pour ta scale? Ou c'est une modification? Modification seulement. Non, pour la Skyline qui est derrière. Ah, c'est pas moi. Moi, c'est Lola? Ouais. Les deux. Ok. Du coup, on fait le tour des cosmétiques.
bah déjà la couleur. Ok. Qui ça? Non, hey Alex! C'est juste de parquer mon char, j'ai de la misère à tremper mes roues. Mais attends, tu vas le faire d'abord. Tu vas finir par tuer quelqu'un. Il y a des parties de gars, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a de la misère. Attention. La question, c'est comment tu fais ça, man? Je recule. Je recule puis je tourne. Ouais, mais j'utilise un mus manette, moi c'est pas mal plus facile pour moi qu'on conduire. Moi je fais avec mes balles. Ah, moi aussi j'utilise mon mus manette. Ah ouais, ok. Ah, d'accord. J'utilise avec mon gros coq. Tu vas le remplacer par quoi? J'aurais pensé peut-être par le blanc, ce que ça donne sur celle-là. Le noir et blanc, ça donne classe. Ouais. De même? Ouais, je prends ça. Ok. Sur les pneus, t'aurais des pneus à l'ancienne avec une bande blanche? Non. Sur l'extérieur? Non. C'est des pneus à flanc blanc. Merci. Et vous m'étiez sorti de là. Bah, c'est plus vraiment. Comment? Oui. Tu peux faire quoi d'autre? Ça va être le ça coûte combien la modif pour le moteur? Le moteur, il y en a pour 150 000. Si tu utilises ton muscle Z, tu peux te chuter. Il y a juste Madame Lola qui crie tout le temps. Je suis en choc, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais mettons, on va faire modifier mon genre un peu, mettre des nouvelles modifs, ça peut me coûter environ à peu près combien? Il n'y a plus rien à mettre sur ton auto, arrête de stresser. Tout ce qui va te rester à faire, là, c'est peut-être changer le bumper, peut-être changer la couleur, changer les néons. Tu comprends? Mais le reste, ouais. Tout est fait, ça te coûtera pratiquement rien. Ton char vaut pas assez, ça va peut-être te coûter, je sais pas moi, je sais pas. Mais là, mon char, il vaut-tu quelque chose? Il vaut le prix que t'as payé, là. Il vaut même plus que le prix que t'as payé. Ah bah, c'est mieux comme ça. On dirait des yeux. C'est pas si beau que ça, ça fait juste une barre. Ouais, non, c'est... Non. Bon, c'est... Cosmétique, là, je la laisserai de même pour vrai. Là. Ouais. Il y a la teinture des fenêtres. Mm-hmm. Ça, ouais. Non, on peut ça prendre aussi. Ouais. Ben, c'est bon, okay. Je l'aurais mis à la même chose, moi. Mais pour vrai, là, c'est un char que j'ai déjà eu dans une autre ville, là, puis je l'avais mis pareil. Mais dans le rush, Michel? Quoi? Mais je voulais que ça change un peu. J'en ai déjà une noire et rouge. Oh, mais pas de presse. Ah, moi, je l'avais noir et blanc aussi. Rassure-moi, pas néon. Non, pas néon. Non. Néon, non, okay. non. Pas sur une voiture comme ça. Il y a des limites. Dans l'autre ville, j'ai vu un gars mettre des néons, j'ai fait. Ah mon Dieu. Non. Ils viennent de gâcher le char. J'ai dit, m'en vais à côté, vends ton char. Il me dit pourquoi. J'ai dit, va enlever tes néons. pas sur une voiture comme ça. Sur une nouvelle voiture, si le BM, je veux bien, mais passe. Pas un char d'homme. Là, c'est trop classe pour que. Voilà, on touche pas ça. Arrêtez d'en parler, là, tu changes la couleur, c'est tout, puis tu mets les vitres, puis après ça, tu mets la puissance, c'est tout. Parlez-en pas trop fort, Lola va aller s'en chercher une. Non, celle-là, non. Je savais, elle, c'est pas son trip. Elle est plus Kaline, Sultan. GDM. Tu sais que je suis allé acheter une... Nissan 246. Les vieilles, genre une Datsun... Ouais. J'ai été acheter ça et franchement, bon, c'est j'ai mis des jantes chrome. Ah, mais... quand même. Bah, en vrai, genre, c'est un style. Comment ça s'appelle? Ah. Old school? Non, pas old school. J'ai fait un style JDM. Ouais. C'est genre noir. Ouais, je sais. Chromé. Je l'avais dans l'autre ville. Avec beaucoup de collants. Et c'est payé. Ouais, justement. Nickel. Non, justement, j'ai pas mis de collant. Ah non? Moi non plus, j'avais pas mis de collant. Non, mais classe de même. Ouais, elle est bien, ça rend bien. Ouais. Peut-être les gens t'as à revoir sur la suite, mais. Mais c'est vrai que ça irait fait beau avec des flancs blancs, là, mais bon. Bon, ouais, j'aurais adoré des flancs blancs, mais bon. Voilà. Ouais. Yep. Oh, ben, merci bien, bonne journée. Bonne journée. Ah, bonne journée, monsieur. Ah, c'est pas la même voiture non plus.
Il y a pas de souci. Il se passe des choses dans la BM, je dis ça comme ça. Il se passe rien, il est couché. Quelle BM? Hein? Vas-y, rentre là. Je pensais que tu parlais de la mienne. En tout cas, il a été faire de la boîte. Hop, je vais t'envoyer. C'est drôle, là, ça me fait penser à ton style de char, ça, par exemple. Mm-hmm. Non, non, mais je parle des motifs et tout. Hein. On croirait que c'est toi qui l'as fait. Bon. Bah ouais, la blanche, ouais. Vas-y. Du coup. Bon, par ailleurs. Oh my god. Bon, par ailleurs. Tu vas changer le dron. Allez, le droit arrière, ok. T'en as un petit truc? Ah, celle. Harvey. Je mettrais celle-là, moi, non? J'en ai plein, ok. Ok, montre. Alors, BGW Extreme, GT, RS classique. Tu vois ce qui se passe dans le champ, Mich? Bah, carbone. Laquelle tu mettrais, toi? Bon, si tu veux rester dans le même style, celui-là est pas si bien. Tu mettrais-tu celle-là, toi? Je sais que sur la mienne, genre. C'est plus celle-là que tu m'as montré, c'est la queue. Même ouvrir le champ. Reviens au début. Ouais, j'ai perdu les clés. C'est bon? J'ai pas perdu les clés, c'est moi qui les ai, c'est mon char. Surtout que c'est lui qui a barré le champ. D'accord. Tu mettrais-tu celle-là, toi? Tu l'as? Ouais. Ben, toute là. T'en prends tes yeux. Ah, tout bon. Non, hein. C'est rien en blanc, là, on les voit pas. Bah, moi, en vrai, je l'aurais bien mis. Mais c'est le diffuseur carbone qui me gêne. Oh, wow. C'est quoi ça? L'affaire noire en bas? Ouais, le diffuseur en carbone. Enlève-les. Ça gêne un peu, je crois. C'est comme l'aileron tu veux, c'est ton l'aileron. Je mettrais celle-là. Ouais, je mettrais l'aileron. C'est combien? Ok. 29 295. Sans doute le même prix? Ouais. Si ça fait l'aileron qui va avec son époque. Ok, hein. Avec les taxes, ça reviendrait combien? Mais mets-la, tu l'as-tu accepté ou non? Non. Ok, mets ça, mais accepte-la pas, tu me feras un prêt avant, pour voir. Ok. Enlève-moi le diffuseur carbone. Ouais, c'est ça, les diffuseurs en arrière, ça fait un peu trop agressif, moi je trouve. Tu veux que je regarde, tu veux que je te fasse le total aileron plus diffuseur? Ouais, 100, ouais. Puis la couleur. Ok, rentre. Tac. Du coup, par choc arrière, comme ça? Ouais, combien? L'heure d'origine. Il est à 32 000. Oh. 32 000 pour retirer le pare-choc. Ok, ça reviendrait à combien? Avec la tête. Avec la tête. Ça reviendrait à 61 552. Des événements pour féliciter. Ouais, vas-y. Ok. Donc, d'origine et. T'as dit. Celui-là. C'est ça. Ouais. T'as juste à l'écrire une fois. Popé. Puis j'en reviendrai pour la couleur. Bon, t'as juste à l'écrire, c'est plus simple. Tac, ouais. Je te fais ta petite facture. Tu peux me tenter, pas envie de la voir. Ok, je sais pas. Hop, et voilà. Si tu me réparais? Ben j'avais réparé. Oh, je vais remettre un coup de ciel là. Something must be wrong, 'cause I miss you.
probably shouldn't do this. We've got the scars to prove it. I see the look in your eyes. You know that I can't refuse it. You've got a one-track mind. You've got me losing mine. You follow me to my car. You tell me over and over. I know what you like. Marron. Marron, ah, on va. Oh, une crème jaune. Ouais, les gens vont fâcher, mais c'est pas grave, on va essayer de la trouver. Hein. C'est bon, j'ai chié dessus. Ah, ça, c'était quelle couleur, là, bien? Celui-là? Ouais, c'est quoi la couleur? Coquillage. Ah, non. Avec un nom. C'est une marque là. Celle-là, c'est quoi le désert non plus? Après, t'as Gravillon qui ressemble, qui est un peu plus foncé. Il est beau. Tu l'as? Ouais. Non, c'est pas beau. Marron pas foncé. Beau. Marron clair. Palmier. Sable. Peut-être celui-là, non? Ouais, c'est vrai que c'est combien ça me fait ça? 50 400. Bah je vais mettre ça. Puis on va mettre la même dans le Chris Sable. T'as rien, je pensais que c'était 500 000. Tu sais que la première fois que j'ai fait une première... La première fois que j'ai fait la question sur la MK, je croyais vraiment que c'était 50 000. Du coup, tu veux même la créer? Ouais. Ok, donc c'est Sable. 39 600. Tout sur tes inspirations, madame. Bah c'est vrai qu'elle est belle comme ça. Elle est vachement belle. Ouais, genre en light smoke. Genre comme ça. Reviens d'un. Ah, Michel. Oui, monsieur. Les autres. Hein. C'est moi qui t'enlève. Parce qu'après t'as le ouais, green j'en ai deux autres. Ou un peu plus foncé. Ouais, comme ça. Je peux chuchoter. En green? Non, pas en green, l'autre d'avant. Tu peux chuchoter. Okay. Ouais. Pendant 7 minutes, ouais, ça va être bientôt. Enfin, c'est. Oui. Entre les deux, c'est le plus foncé. C'est le next. C'est le next. 50 400. Ok. Tu mets pas les all black. Tu as besoin de faire de quoi ton champ? Non, c'est vrai que sur la M4, c'est. J'ai besoin de le faire réparer avec la facture à ton nom. Pardon. On c'est va qui me rentrait dedans? Des jantes. T'as un problème de touche. Mais ok. Tu sais, j'ai un problème de touche, je m'attends pas à toi. Cœur blanc? Ah, coq,
Moi, je vais mettre lui. Pure blanc. Ok. Et puis, ça va être tout. Ok. J'ai pas regardé le banc parce que le propriétaire avant il avait changé ses parts. Salut Michel. Bon, ça fait un petit. Salut, ça va? Ça regarde justement que les gens t'envoient. En post-paye pour toi? Bon, ça va. Tu sais, c'est Yellow, le boss de Tic-Tac-Tic. Caroline, t'es tout seul. Qu'est-ce qu'on pense? Tu veux savoir si James est là? Moi, je suis sous la poussière D. De toute façon, il m'a retiré, mais là, je veux qu'il m'enlève la grappe. Mais t'es pas le seul, hein. Je sais pas trop ce qui s'est passé. T'es pas le seul qui s'est arrivé. Ok, attends. Ouais, c'est quoi, tu veux faire partie des taxis? Non, il y a eu. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y en a plein qui se sont fait sortir du. Il y en a plein qui se sont fait sortir du canal des taxis. Oh, mais il y en a créé un nouveau, c'est l'autre qui l'a fermé. Tac. Va parler. C'est un total à... Ah, de toute façon, je m'en fous. Je vais retourner peut-être à ma job que je fais actuellement. Bon, pis. Alors, 676 269. De toute façon, ça, c'est mon tenue que j'ai créé. Voilà. Dans la boutique. Merci, bien. J'ai comme copié de ce taxi. Ouais, Angelo là, c'est un monsieur dehors là, qui a failli se faire frapper. Hein, mais bon. Il aurait dû le frapper. C'est qui? Ah, mais Lola, il faut. Ouais, Lola. Michel. Faut que. Juste une réparation. Michel, ça, c'est la 6. Ouais. Mais la facture, c'est. Je demandais de quoi, Lola? La facture, c'est un nom à monsieur. Quand tu fais un don, maintenant, tu fais un don 40 piastres, ouais. Et est-ce que tu peux faire un billet pour deux voitures quand tu peux prendre? Oui, j'ai fait un billet pour 5 voitures. Oui. Un pour deux, maintenant? J'ai fait un pour 5. Dans ton billet, t'as juste à dire que t'as fait un don de, je sais pas, de 100$. Ouais, parce que moi, j'ai maintenant, je marque 40, puis après, je vais avoir les deux chambres. Oui, tu peux. Ouais, c'est ça, en fait. Et parce que moi, il m'a dit, c'était à chaque fois. Tu peux même demander une plaque custom. Ouais, c'est ça. Faut que tu y penses. On me l'a dit. On va acheter la Mercedes, les deux sortes. La Kuruma, c'est à qui? Hey! La Kuruma qui est dehors. T'avais-tu réparé mon X5? T'avais-tu réparé le BM? Non, mais fais-le avant, c'est pas grave. Fais-le avant. La Kuruma, c'est la mienne. Ouais, mais. T'as besoin d'une réparation? Ouais, s'il vous plaît, puis on checkera dedans ce qu'il faut faire, ce qu'il reste à faire. Ben, tu peux laisser passer la Tesla avant ou... Ah, ben la Tesla s'en va. De toute façon, tu vois, mademoiselle Lola adore faire ça. Faire quoi? Le custom. Pourquoi tu penses que je viens tout le temps ici? Fait que la masturbation, t'as fait au nom de Michel. Pour le BM, il parle. Wow. Il y a un taxi qui vient de s'encastrer dans le mur. Ouais, puis avant d'entendre la voix que j'ai entendue, ça doit être James. Je mets ma main au feu. C'est où le taxi? Il y a pas un taxi. Il y a où le taxi? Il n'y avait pas un taxi qui a passé en flèche il y a 2 secondes. J'ai parlé. Là, il doit être passé à 5 km/h au moins. Hein. Il est parti il y a longtemps, là. J'ai bien vu le taxi passer. Ouais. Il va l'apprécier. Il faut pas dire ce qu'il court après pourtant. Du coup, ton petit Kuruma. Déjà là, si tu peux juste me checker si la mécanique est toute à 100. Juste parce que je suis curieux. Ouais, elle est full. Merci Lola. Okay, donc maintenant c'est à toi Alexandre. Tu peux demander à Lola tout ce que tu veux. Presque tout est possible. Ok, puis tes couleurs, t'as quoi comme couleur? Dis-y la couleur que tu veux, elle va te dire. Tu me proposes et je vois ce qu'on voit en fonction. Rouge, si mettons un vrai rouge. Un vrai rouge? Genre rouge brillant? Rouge un peu plus foncé? Rouge un peu plus foncé, mettons. Ouais, de même, comme ça. Comme ça? Ouais. Rouge comme rouge comme ma Porsche. C'est rouge.
Comme ça, on avait. Sinon, la couleur qui était avant était. Pardon, je vais regarder la vraie couleur. La couleur qui était déjà dessus. Ouais, ah oui, la vraie, tu veux dire. Ah, tu veux laisser la couleur comme ça ou ouais. Tu veux. Ouais, la couleur comme qui était au début. Ok. Ça fait plus rose, mauve, ça. Hein. Correct. Tu sais que non, ça fait, tout que ça fait plus rose mauve. Pas grand chose à rajouter dessus là. Donc du coup on fait rien dessus. Fallait le rendre peut-être plus tard là. T'es sérieux là? Tu viens d'attendre, tu viens d'attendre, tu viens d'attendre une demi-heure, t'as une mécano pour toi et puis tu fais rien. Ben l'aileron, c'est quoi t'as comme aileron? Moi maintenant t'es aileron. Tu veux quoi? Une grosse aileron, une petite aileron? T'as bavé à l'arrière pour regarder si tu veux. Pas celle-là. La peinture secondaire est affreuse. Hein? C'est l'autre avant? Celui-là? Non, la même couleur du char. Elle, là. Attends. Lui? Non. Non, lui? Non. Non. Elle, là, tu l'as-tu un peu plus rapproché du capot, du coffre? Non, non, non. Okay. Non, tes autres, c'est quoi? Alors, j'ai le GT, la sortie, le couleur 2 en carbone ou type 2. Montre-moi donc la celle-là. Celle-là? Mais celle qui était d'origine, c'est laquelle que j'aurais dessus? Celle-là. De base, t'as celui-là. Je trouve qu'elle est plus belle. Bon, en vrai, l'aileron d'origine est quand même belle dessus. C'est quoi? L'aileron d'origine, c'est celui-là, il est vraiment pas mal. Bah, je vais garder celle-là. Puis les vite, au point j'enlèverai vite teinté, c'est pas ça que je voulais faire. Désolé. Ouais, comme ça. Comme ça? Ouais. Après, je peux te les mettre un peu plus légèrement teinté ou vraiment. Légèrement teinté, ouais. Comme ça? Ouais. Ok. 806. Les néons, tu les laisses comme ça? Ouais, les néons, je vais les laisser comme ça. D'accord. Peut-être plus la fumée des pneus, là. On peut changer ça? Oui, oui. Est-ce que là, ils sont verts? Tu voudrais les mettre en quoi? En noir? Non, en bleu. Tu peux laisser ton véhicule dehors, t'inquiète. Tu me dis quoi, bleu? Bleu. Fumée des pneus, bleu. Ça, vous avez assez de monde pour du remorquage? Vous êtes trop occupé. Pour l'instant, le remorquage, j'en fais pas. Ok. Vous êtes seul? Oui. Oh, je vois. Vous recrutez pas de monde. Du coup, la fumée de pneus, tu l'avais en bleu foncé? Enfin, bleu. Bleu pâle, le bleu. En fait, j'ai différents bleus, c'est ça le truc. Ben, bleu normal, un vrai bleu. Là. Bleu comme le char à Michel. Allô? C'est parce que moi, c'est pas bleu, c'est plus bleu mauve. Sauf que tu sais combien ça coûte pour j'ai changer la couleur bleu. Dessus? Ça sera pas long. J'ai le temps de rendre mon appart tout dans mes chats. Non? Sérieux, tu vas aller faire un dodo là? Là? Je vais aller faire un dodo quick, je reviens. Tac, c'est appliqué. Ensuite? Lola? Lola, il est parti, je pense. Il est allé faire un dodo. Ok, ok. Il est clair, mais. Hop là. Du coup. Ben Lola, vu qu'il est allé faire son dodo, je pense que tu peux aller faire les autres en attendant.
Mais il a pas l'air parti. Hein. Ouais, t'es encore là, si je pense. Ouais, c'est ça. Hey, Alex, t'es-tu encore là? Hein? On commence tout à le tabasser. Est-ce une façon de la faire lever les mains, real quick? Ah, là, ah, ok. Oh, là, il est parti. Là, il est parti. C'est qui le fucking Tron Boy, ici, là? C'est pas moi. Mais j'ai la même pour faire de la moto. Pardon? J'ai la même habit pour faire de la moto. Ah ouais? Que lui, là, on est en tronc. Là. T'as-tu la moto Tron ou non? Non, tu non, peux non. Tu même non. La voir? Lola, on peut savoir la moto Tron? J'imagine que non. C'est pas très RP. Ouais. Non, non, t'as raison. T'as raison. Envoie ça à décharge, Lola. Saisis-la. Ben non, Christ, fourrière, ce char-là. Oh. Là, dans son cerveau. En plus, elle laisse le char rouler. Hey boy. Les tortues Lola. Les tortues. Ouais, je commence à être étourdi, moi, en dedans, là. Moi aussi, là, y'a pas de ventilation ben. Ouais, je pense qu'on devrait aller parler aux pompiers, hein. Pas, ouais, les fans fonctionnent pas, là, y'a un petit problème de ventilation ici. Ouais, je pense qu'on va aller faire un petit rapport aux pompiers. Hein, je pense que c'est pas... ça devrait pas être approuvé, ça, c'est... Allô? Les polices vont venir mettre des barricades. Ah, là. Mais merde, depuis tard, je vous parle, mais oh... Oh là là, elle a mis une 50 vocale. Salut! Ouais, c'est correct, Alex. Oh. Tu le vois, toi? Oh, il est juste devant moi. Où ça? Depuis tout à l'heure, je me dis, vous m'entendez? Vous m'entendez? Une personne qui m'entend! Là? Là, il est juste devant nous. Ouais, j'en ai pas. C'est peut-être juste la synchronisation qui s'est pas encore faite. Ah oui, ah, je le vois là. C'est ça, toi. C'est juste une question de temps. Des beaux souliers, toi. Thank you, je comprends pas pourquoi ça me fait tout le temps ça. Ouais, Alexandre, t'as des beaux souliers en effet. Bon, j'ai donc mes souliers à cette heure. Ça tentait pas, là. C'est bien, tu peux juste les brûler aussi. Hein. Tu sais que t'es... Il t'en donnait pour gratuit des souliers au début. Hein. Juge pas mes souliers, ok. Non, non, on juge pas tes souliers, on rit de tes souliers, c'est pas pareil. Puis là, en plus, tu mets des néons, puis de la fumée de pneus. On rit avec tes souliers. Qu'est-ce? C'est lui qui a demandé. Ouais, c'est Pinky elle là aussi. Du coup, on a fini pour la corona? Ouais. Qu'est-ce que tu dis toi là? Ok. C'est mon cerveau perdu. Attends, ouais, je suis à ta basse là. Je vais envoyer la petite facture. Mais on fait pas de même. Je me demande cette année d'avoir des factures. Bon, ouais, ça va pour une corona, ça peut te faire chier. Ça revient? Je te blague. C'est 1950. Il y a des petits problèmes de cerveau, je pense, en ce moment. GTA? Réparation? Ouais, ouais, une petite réparation. Ok. Je vais juste attendre Alex pour faire réparer mon X5, puis après ça on y va. Ouais, c'est bon. Vous êtes... Ouais, faites attention, c'est un dangereux volant, lui. Ouais, c'est un dangereux volant, c'est à cause de lui que ça va me coûter 1000$ encore. Ouais, j'ai ma tête, elle a commencé à péter un plomb, pardon. Il m'a rentré dans le cul. Il vient juste de l'acheter, puis c'est comme son premier char puissant. Ah ouais? Vous m'entendez bien, ou quand même? Moi, juste la comète rétro. Oui, Lola, on t'entend bien. Vous m'entendez bien, là? Oui, Lola, on t'entend bien. Ok. Ouais, je sais pas, j'ai ma tête qui s'est mis à péter un plomb d'un coup. Moi, je me suis acheté la Supra pensant que ça a été un bon char, mais okay. Et voilà. Faut vraiment pas de la merde. Quelle? La Supra. Merci. Pinky, je t'ai fait une réparation? Ouais, ouais, le Dubsta, là. Ouais, 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 ok. Vas-y. Réparation de couvrage. Usé. Y'a pas de stress. Putain, c'est quoi, y'en a un nombre de X6 qui arrive en ville, là? Y'a masse de X6 qui arrive en ville. Et voilà.
les cargos qui sont arrivés et il y a eu 5 ou 6 X6 qui sont arrivés d'un coup. Des nouveaux, ça ouais. Ah, je sais pas, bah, tu sais, c'est les X6, le Ben. Non, je sais pas. Oh, ah non, c'est Kate, ok. Ah, Michel. Elle doit l'avoir volé. Michel. Moi, je suis toute confie. Ouais, hey, Pierrette, mais... oui, une seconde, Alex. Hey, Pierrette, tu le vole à qui? À personne. Okay, oui, 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 hey, Michel, oui, oui. Qu'est-ce qu'il est où, François? Hey, c'est un jaune, est-ce que... Oui, pis non. Hey, ben, dis-moi ça dans les mails. T'en bats, hein? Ce là? Non. Tu sais pourquoi il... Ah, okay. J'ai plus de nouvelles de lui. Michel, je m'entends avec qui, je reviens. Pas de stress. Parce que le mien, mon boss, c'est fait le ouais, c'est celui-là, mon BM, quand t'as pas tout. Sais-tu qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu dis, Pierre? Ben, un peu là. Bien, qu'est-ce qui se passe avec Charles, François? Ouais, je suis là. J'ai une nouvelle de lui. Je suis rentré. Attention, les boys. Ouais, Benny, c'est super. Je suis neutre, moi. Je me mêle pas de rien. Ah. Oh. Ok. Je sais peu de choses, puis honnêtement, je fais juste. Joue, puis tu le découvriras au fur et à mesure. Mais moi, je me mêle pas de. C'est plate parce que j'en aimais. Ah, je sais. Attends, me dis pas qu'il a suivi. Ben oui, il a suivi. Je pense qu'il a suivi Jojo. Ah. Dave, Joe, puis. Ouais. Frank se sont suivis. Dave est encore là. Ouais, Dave, il est encore là. Ben, il va, d'après moi, il va suivre. Toi, depuis tout à l'heure, j'étais à Skyline au fond du garage. Moi, c'est ça. Non, quoi neuf, pas grand chose, je vois, il est quelle heure là? Je vais aller prendre mon chiffre à 7h, m'en faire un chiffre de soir à soir. Là. Pour ta job? Ouais, à MS? Ah ben oui, c'est vrai, t'es bon. T'es le meilleur. Je suis quoi? T'es le meilleur. Mais non, je suis pas le meilleur, je suis le pire. Ben oui. Mais non. T'es le plus beau, par exemple. Oh, c'est fin. Ah, okay. À plus, Pierrette. Non, c'est la parade des BM, hein? Ouais, là c'est BMW M4, X6, ouais, ça sent bon. Salut. Salut. Ouais, je t'ai dit, il y a eu un dépôt de véhicule au concessionnaire et... Ouais, enfin, BM, ils ont livré tout le monde en même temps. ça fait un bout que je l'ai, c'est juste que c'était l'hiver, fait que j'apprenais pas, ça allait trop mal. Ouais, c'est vrai qu'elle en a pas mal de torque. Je vais changer les pneus pour l'hiver, ça coûte bien trop cher, là. Ah non, c'est fou. Ce char-là, là, c'est malade. Hein. Mm-hmm. Yes. De toute façon, c'est la plus chère, donc. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, mais une Bugatti, c'est moins cher qu'une BMW. Je viens à changer de couleur, là. Ça va me coûter, je sais pas combien, ça va coûter cher. Ah, il faut la changer de couleur. J'ai jamais c'est compris. J'ai jamais compris pourquoi il a changé, pourquoi il nous l'a laissé, cette couleur-là. T'sais, c'est comme la pire couleur. Mais pas la pire. Je dis pas que c'est la pire, là. En là, je dis juste que c'est pas une couleur recommandée. Ouais, à la limite, il aurait mis ouais, gris, noir. Ouais, c'est ça. Blanc. Le jaune. Okay, ouais, blanc. Ouais, c'est ça, jaune. Ouais. Parce que le problème, c'est que ça coûte tellement cher que la plupart le feront jamais. Puis quand qu'elles sortent, ben, si tu connais bien ta ville, tu sais où aller pour pas avoir de troubles. Mais si tu connais pas ta ville, puis tu vois un mauvais endroit avec un char de même. Ouf, ouais, c'est ça. Ouais, ça change de couleur, hein. C'est pas mal. Ouais, non, je sais. Je m'en doutais fortement, mais. C'est quand même des super beaux chars. Hein. Mais tu sais que ma M4, moi, ben, je l'ai toujours en Vagos. Bon, c'est Vagos bien flash. Ouais, c'est ça. Lola, elle avait pas trop de difficultés avec les BM. Ouais. Ah, y en a des beaux jaunes. Mais... C'est quoi le nom des verts? Vagos? Family. Hein? Non, c'est Family. Family. On n'entend jamais parler d'eux autres. Ils existent-tu? Oh, que oui. Tu les as déjà entendu parler. Non. Si. Non. Je peux te garantir que t'as... même une personne a déjà parlé de. C'est une bonne gang. Ok, moi personnellement, j'ai jamais entendu parler d'eux autres. Eux pis les Warriors. Bikers. Non, les Warriors. Les Warriors, les Bikers. Les Bikers, les Bikers, on entend. Ça, on vous connaît. J'ai travaillé au taxi pour James, là. On est habitué d'avoir une bonne relation avec les Bikers, hein. Je te voyais souvent le matin. Allô, là, moi, j'aimerais ça peut-être un noir. T'as-tu un beau noir pour la. Faire ça classe.
Tu veux faire un acré dessus ou un noir vraiment opaque? Peut-être un acré, là. Non, un acré bleu. Ben, c'est deux prix de peinture quand c'est un acré. Oui. C'est que, ben, juste me dire à peu près. Ben, c'est pas le même prix. Genre, tu vas. Le nacré, il coûte moins cher quand même. Ok, ça revient au même qu'une peinture. Ouais. C'est genre 50 400 la couleur principale. Ok. Ok, ben, je vais prendre ça, ben, noir comme ça. Ben, noir flash, là. Un or où tu veux que le nacré ressorte bien ou un or vraiment. Noir comme ça, ouais. Ok. Là, c'est carbone. Ok. Puis le nacré, là, un que j'aime bien, c'est bleu. Est-ce bleu horizon? Alors, bleu horizon. Celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il est plus mauve, hein. Mmh. Attends, je vais reprendre le début, je t'ai fait le flip. Ok. Alors, t'as marine, agate, azur, céleste, c'est ça. Céleste? Ouais, toutes mes choses sont en ligne. Le bleu il est moins commun comme couleur de char. C'est, on en voit un petit peu moins que d'autres, mais au moins le bleu, c'est complètement neutre comme couleur. Là. Ça peut pas être identifié en tant que personne, puis ça fera pas. Ouais. C'est 39 600 le nacré. Ok, ouais, pas de soucis. Ok. Puis on est à 90 000. Je pense que j'aurais dû choisir un autre job. Puis les turbos sont. Ouais. Les moteurs puis les turbos, c'est combien à peu près? Je sais qu'il y en a déjà un, je pense, d'origine. Mm-hmm. Tu veux vraiment plus. Ça va être je pense que tu devrais oublier ça. Ok, ouais, quand on va essayer. 1 125 000 le turbo niveau 4. Le moteur niveau 4, c'est le turbo, pardon. Ok, puis les freins. La même affaire. Les freins. Non, en vrai, les freins, ça va. Ils ont été gentils. Bon, c'est quand même cher. 354 150. Tu vois, c'est plus raisonnable, ça, pour un char de luxe, quand même. Des bons freins. Bon, pour des plaquettes et des freins, ça fait quand même cher, mais bon. Ben, les Brembo, c'est pas donné, là. mais quand même, 300 000. je vais laisser faire les freins. On pourrait. Je ferais des stops américains. Hey, non mais sérieux là, elle a vraiment du power la M4 en direct en partant. Sérieux là, je pense pas que c'est vraiment nécessaire de la booster encore plus. La mienne, ça me tente de la booster, mais en vrai ça serait un crash test pour toute la ville en fait. Oui, parce qu'on attendrait tout après toi pour savoir justement si ça vaut vraiment la peine, parce que là on a appris que la Mustang ça valait pas la peine. En vrai la Mustang, genre faut juste booster le turbo. Turbo transmission, c'est tout. Ouais, parce que moi on me dit moteur, ça vaut même pas la peine. Ouais, en vrai, tu vas perdre de l'accélération et pas gagner beaucoup de vitesse. Donc en vrai, non, pour la Mustang, ouais, juste turbo, transmission, c'est exactement. En plus de la BM, c'est qu'il y a plein de modifs. Il y en a plein. Ouais. J'ai la GTA et tout, ça va vraiment vite. Ah, mais la GTA, c'est un jeu d'enfant. Mais elle tombe pas. En fait, ce qui est con, c'est qu'en fait, genre, t'as la GTR qui a un énorme top speed. Et genre, j'ai déjà fait la course avec Gigi, avec sa Porsche, qui était full. Les deux voitures étaient full. Sur le long terme, je l'ai rattrapé. Par contre, au départ arrêté, elle m'a mis une de ses amendes. Ah non, mais la Porsche, la Porsche, je l'ai, là, puis c'est complètement over, là. Mais Seigneur, je suis obligé de mettre le limitateur, puis j'ai même pas le temps d'appuyer presque au fond de ma gâchette, puis je suis déjà rendu à 70. Il y en a un qui a essayé de me braquer avec ma BM justement, puis je te dis là, j'ai déclenché une fois la BM pour de vrai là, puis oublie ça, là, le gars m'a pas suivi là. Avec son petit Dodge Charger, il a pas eu une chance, elle est quand même bonne la BM là. C'est juste qu'elle est chère, elle m'a dit. Hey Joe. Hey yo. On va se le dire, In-game, il y a personne qui va payer 4000 pour 4 millions pour se l'acheter. Là. Ah, tu peux mettre le toit aussi. Ouais, le toit en couleur. Mais. Je sais pas. Non. Pour 251 000, franchement, j'aime bien le carbone, hein, mais. Ouais. Ça coûte plus cher le carbone que la peinture, là. C'est sûr. Oh, ça va être correct comme ça, dans le fond. Ça va être parfait. Ok. Les vitres, en sont-tu teintées de base? Non, de base, non, ils sont blancs. Qui est teinté noir.
qu'on va pas au travers. Si jamais t'as un. Au cas où t'as un. T'as un budget de combien à peu près? Ok, si c'est cher. Bon, bah, c'est genre 50 000 le plus vite teinté. Ah, oh, c'est correct. C'est okay. Un milliardaire, les Diego. Ouais, je garde mes. Je garde mes sous, hein. Faut que je brise mon petit cochon des fois. Ah, il va comment la cour de justice, là, le trial? Ouais, j'aurais pas dû choisir EMS en fin de compte, c'est pas assez payant. Ouais. Là, je rigole. Bah, c'est sûr que. C'est pas assez payant. Alors, du coup. Moi non plus, c'est pas bien mieux payant la business. Je t'envoie la petite facture. Alors, 169 184. Ouf. Ouais, quand même, hein. Pis y'a rien là, c'est juste la peinture ou presque. Ouais, mais elle est belle en salle. Ouais, elle est pas mal plus belle. Pas pire. On les voit tout le temps en jaune, ouais, on les voit tout le temps en jaune, là, ça fait. C'est plus beau de les voir tout le temps d'autres couleurs. Est-ce que ceux qui ont. Ceux qui ont une BM de même, c'est des faux riches, tu sais, quand elle est encore jaune? Là, tu sais que son couleur dessus, pis ça coûte 150. Ben, moi, c'est pour ça que je suis content du X5, c'est qu'il est apparu bleu. Attends, je vais chercher la mienne. Ah, oh, wow, ok. Bon, ben, Diego, on peut partir là. On va se la flexer dessus, là. Avec son char, tu sais qu'il avait son char. Elle a comme 40 000 chars, cette folle là. Lola, elle a déjà rempli le bénou complet avec ses chars. Oui, photo à l'appui. Hey, malade. Avec le muffler. Hey, moi je vois même pas les roues. Je vois pas les roues pis le bumper. Je vois juste un genre qui se promène en volant. Lola aussi, c'est le pire. Lola! Lola, pas. Oh. Tony, où tu l'as? Non, juste de partir, dog. Tabarnak! En tout cas, elle en a-tu réparé? Ah, je sais pas si elle a eu le temps, Lola est comme full occupée depuis le début. Elle est partie où, Lola? Elle est juste partie chercher un auto, elle revient dans 2 minutes. Bon, Diego, on va où? Le temps de faire Garage D, pis ici. Hein. Les barqueurs sont en ville. Hein? Les barqueurs sont en ville. Deux jours. Ton esti drogue, tu me sors ça de la ville. De quoi tu parles, drogue? On fait plus, messieurs. Hey, toi, là, ta minute, ouais. C'est quoi, ce char bleu-là, Calis? T'en font-tu pour les hommes? C'est mon char d'hiver. Ah, ok. J'agace. Ah, je te dis, quand Lola est partie dans une de ses idées. Le pire, c'est qu'il est allé chercher un char pour quelqu'un qui est parti. Le gars, il est plus là. Il a pris son char. Un char? Non, elle voulait juste s'y montrer, mais le gars, il s'en bat les couilles. Le gars, il est parti, là. C'est genre le gars dans le même, là? Ouais, c'était les deux bikers. Elle voulait leur montrer. Elle voulait lui montrer sa M4 à elle. Elle voulait montrer quoi? Non, on parlait. C'est parce que Lola est allé chercher une BM pour les montrer aux deux gars qui étaient là, mais les gars sont partis. Son fusil M4, c'est ça que tu disais? Non, ça M4. Ouais. Ok, bon, ok, on a une perquisition, les boys, on sort du titre. Ok, let's go, fouille-moi. Ah, ben, je fais pas de fouille, je fais pas de service. Ah, de la marge, on va travailler. Ok, parfait, je t'attends, viens me fouiller après. Ah, c'est bon. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Oh, shit, Lola, tu vas être dû pour un dodo. Tu vas être dû pour avoir un char qui se voit, pis non, un truc invisible. Tu vas être dû pour un dodo. Ça me pète les couilles, non, je l'envoie fourrir. Oh. Trop d'argent, Lola. Ouais, ça, c'est pas un char, ça. Peux-tu me réparer ma petite Skyline, ça peut avant que j'aille travailler, Lola, s'il te plaît. Je te l'ai pas réparé? Non. Hein? Non. Mon boulot. Non, parce que moi, j'étais à l'autre bout du monde en train de faire une douane. Je vais donner CBSC. Je vais faire les douanes pour Cuba maintenant. Il n'y aura plus un institut qui va passer de la drogue. Au contraire, nous, on aimerait bien que Cuba se développe en tant que lieu touristique.
Ben oui, mais il fallait le faire développer. Ouais, ben c'est ça. Ben là, j'amène du monde à la petite plage privée au fond, juste avant le poste des Cubains. Hein. Fait comme ça, tu sais, on va à la plage privée, tu sais, on s'installe, il n'y a pas de trouble, puis les Cubains se rendent pas compte qu'on est là, tu sais. Si tu vas à Cuba puis tu fais tes affaires correctes, et... les Cubains, ils sont smart. Hein. Ben d'accord. M'en va faire la loi, là. Bonne chance. Ah ouais, vas-y, les arrêter, les criminels. Là. Ouais, comme toi. Hey, de quoi tu parles, si je suis pas un criminel? Hein, qui ça? Bon, je m'en mêle pas, moi. Voilà, mais êtes-vous toujours occupé? Non. Non, je sais pas si monsieur la Tesla, ouais, monsieur la Tesla était là avant. Il était là, comment ça se passe? Ouais, je suis en train de pousser une voiture avec mon ami, là, on arrive, ce sera pas là. Okay. Arrête de crier. Réparation, ouais, parce que une histoire de pilote automatique, j'imagine. Hein? Une histoire de pilote automatique, j'imagine. Non, j'ai pas vu le copteneur en face de moi. ben, en fait, le trailer, quand tu sors du garage du truck. What the fuck? Ah, c'est Ryan. Oui. Hein? C'était Ryan? Yeah. C'est Rodrigo. Parce que moi, au garage truck, mais quand tu veux rentrer dans ton char, mais là, il y a une crise de roulotte en face. Hey, mais si tu veux un truc, là, touche pas au pilote automatique, hein. Je sais que c'est tentant, là, mais touche-y pas, parce que la seule affaire que tu vas faire, c'est un coma. Non, je l'ai fait hier, toute la journée et aujourd'hui. T'as été vraiment chanceux, mon chum, parce que je te dis, moi, toutes les fois que je l'ai pris, ça a fini en coma. Ah. Moi, à date, non, ça va bien, parce que moi, il roule sur la route, comme tout le monde pense avant moi. Ça a fini à centre. Hey, tu te savais, ça fait combien de temps que je suis là? Ça doit faire genre une heure que je suis là. Non, ça passe pas. Mais je m'en fous, j'ai rien d'autre à faire. Ah, Michel? J'achète la moitié? C'est ça, j'ai tourné avec, ok, c'était drôle, pareil. Ben, sérieux, moi, j'ai mis le pilote auto deux fois, puis les deux fois, je me suis ramassé à l'hôpital. Ah, moi, je l'ai mis. Parce que le pilote automatique, il devient fou à un moment donné. Mets-les tout le temps à 90, jamais à 110. Mets-les à 90. Ah, peut-être qu'à 70, t'es trop lent pour que les moldus deviennent fous, là. Mais à 90, ouais, 110... C'est tout. Ouais, mais à 110, ça vieille fou partout, là. Ouais. Ben, moi, je roule jamais vite avec. La seule façon que je vais rouler sur l'autoroute, c'est moi-même. Moi, je m'en sers juste si vraiment j'ai besoin, là. Tu sais, c'est pour 2 secondes. Comme là, j'ai besoin d'aller au... comme au... contacter quelqu'un en même temps de... je vais faire le voyage à la quinzaine de pilote automatique. Mais tu peux en ville aussi? Hein? Ça marche en ville aussi? Oui. Mais moi je pensais que ça marchait juste sur l'autoroute. Non. Ça marche en ville? Tu mets le GPS. Oui, je sais comment ça marche. Oui, je sais comment ça marche. Il s'en va direct. Mais il fait ses stops toutes? Oui. Les lumières, tout. Tabarnak. C'est une belle voiture, ça. Yes, merci. La lumière et tout, c'est pas pire. Hey Lola, la putain Tesla a fait ses lumières pis ses stops. Je suis off radio, les gars, je reviens. Ok. Je pense que je vais aller me promener plus souvent avec ma Tesla. Ah, hey, tu me ferais une facture de 1000$ si t'as fait la Mustang tantôt. Tu me crois pas, Michel, viens-t'en avec moi. Non, je te crois, Big. C'est juste que Lola, c'est la pro des véhicules. Je m'en rappelle même plus, j'ai pas de questions. Si on a des questions. Prochaine fois, je te dis rien. À un moment donné, t'as des questions pour les chars, là, tu vas voir Lola, puis elle va te répondre tout de suite. Réparation pour celle-là? Ouais. Là, j'ai acheté une journée des autres chars. Réparation pour la abîmé, je pense pas que c'est grand chose de pas mal grave, là. Ouais. C'est un peu abîmé. Ouais, je vais revenir Lola, j'ai un autre char à faire réparer. Ah, t'as de soucis, vas-y. Mais ouais, est-ce que vous embauchez? Visitez. On va pas dire non parce que j'ai quand même besoin de monde, mais je cherche des personnes compétentes et... motivées. Ok. Oui. C'est bien dit ça. Et surtout qu'il soit là bien, quand même bien souvent. Pas parce que... Je comprends. Hop. Et voilà. Merci beaucoup. Steve, tu devrais modifier un peu ta voiture. Hein. Je peux prendre là, mais il n'y a rien de pressé en fond, je veux juste réparer la mienne. Putain, mais non, mais j'avais pas l'intention. Mais non, toujours. Mais c'est pas grave, j'avais du temps à perdre, je prends juste mon service à soir.
Ah là, pour le coup, c'est... ça, tu vois ça, le nombre de voitures qui est passé là? Je sais pas. Bah, tu vois toutes les voitures qui sont passées là, les Skyline et tout comme ça. Ouais. Bah, franchement, je kifferais que ce soit ça comme ça, tout le temps. Juste des. Au fond, juste des importées chinoises, japonaises, au fond. Bah, non, n'importe quelle voiture. N'importe quelle voiture. Okay, juste que ce soit. Tout le temps comme ça. Que ce soit plein. Ouais. Ah, moi, j'adore quand j'ai plein de boulot au-dessus de la tête. Ouais, mais muscleté slash news. Fais-le un peu plus souvent. Tantôt, je me promenais, puis le monde était comme... Il y a un de mes amis qui voulait... mon ami qui est venu tantôt, qui niaisait avec son char, il dit, ben non, c'est fermé, le Bénis. Ben non, je suis comme, ben non, le Bénis, c'est pas fermé, je viens d'y aller il y a 5 minutes. Oui, parce qu'il y a eu le problème. En fait, je l'avais fait tout à l'heure, mais... C'est pas grave. Tu peux m'envoyer la facture, mademoiselle. Ouais. Je vais aller sortir dehors, mais je vais rester autour. Oh, c'était quoi le nom de la jeune police? Son prénom? Lui qui avait la. Les la cheveux. Ancienne, là? Non, c'est un. Ah, ça aussi, c'est un policier? Non, je parlais à celui qui était là il y a 2 minutes avec sa Skyline. La violette, c'est non? Non, je crois que c'est Phrase, si je me trompe pas. Ah ouais? Bon, Lily est full amie avec lui. Elle dit que c'est un super bon policier. Ouais, ça, je crois que c'est Phrase, tout est là. J'ai postulé il y a... Oh, elle l'a fait. J'ai postulé il y a quelques jours, puis j'ai reçu... Ben, hier, j'ai remarqué qu'il y avait un nouveau canal sur mon Discord qui était apparu. Et puis, canal formation. Puis depuis, j'ai pas eu de nouvelles par après. Hein. On verra bien. Ouais. Ben, j'aime... Tu vois des coups de rush comme ça où il y a trop de voitures par-dessus la tête, bah ça j'adore. Ah, c'est parce que t'as pas vu hier le bug des. Hey, d'ailleurs, y a-t-il arrivé de quoi avec les remorques ou il me semble que je la vois pas en récup. Ah non, c'est vrai, je la vois. Mais hier, t'as pas vu le bug à l'intérieur de ton garage avec la remorque, hein? Il y avait une remorque là, elle était bord en bord ta porte ici. Mais la remorque était comme à côté sur le mur. Ouais, le gouvernement, il est venu. Moi, j'ai été chercher mon Hummer. J'ai poussé dessus comme un malade avec mon Hummer. En fin de compte, j'ai réussi à la pousser un peu. Le gouvernement était avec son Ford. Il a rentré dedans comme un défoncé. Il a réussi à la pousser. Elle est partie en feu. Les remorques, là, c'est vraiment rendu de la merde. Là, parce que là, le problème, c'est que tout le monde en a. Tu parles bien des trailers? Oui, les remorques à voiture. Mais le monde, ils comprennent pas que c'est instable. Ah, fuck. J'ai pas pu couper le moteur. Ah, merde. Coupe ton moteur, t'as plus 20 de l'essence. J'ai plus d'essence? Ah, ouais. Voilà. Je vais en mettre. Oula. Quelqu'un pourra m'aider, s'il vous plaît? Oui. Ah, monsieur? J'ai mal. Est-ce que vous avez contacté les urgences, monsieur? Je crois qu'il y en a aucune au service. D'accord, je vais vérifier ça à l'instant, monsieur, d'accord. Je crois, monsieur, en effet, que j'ai vérifié les horaires de travail. J'ai vérifié les horaires de travail de l'hôpital. Puis je crois qu'en effet, actuellement. Bon, je peux vous ramener à l'hôpital, d'accord, monsieur? Vous n'êtes pas dans le coma, de toute façon, j'ai le droit. Fait que je suis un AMS. Fait que... Ouais, je vais le ramener dans le coma. Je vais le ramener à l'hôpital, là. Ok, vas-y. Si j'ai de l'essence. Je vais vous suivre, je vais prendre la voiture. C'est 1000 caisses. Ok. Si vous êtes mauvais, monsieur. Tabarnak. Monsieur. C'est qui le monsieur là qui était dans le coma? Oui. Moi. Dans la voiture noire. Monsieur, oui, vous pouvez pas conduire dans cet état-là. Vous êtes mauvais. Okay. Mais là, attendez, là, j'ai un petit problème de fuel. Là. Oui. Ça va? Oui. Vous êtes mauvais. Ah. Regardez, monsieur. Oui. Si vous me donnez l'autorisation, je vais prendre le volant de votre véhicule. Je vais vous amener à l'hôpital, puis je vais vous ramener ici ensuite, d'accord? Parfait. Parce que j'ai un petit problème avec mon véhicule à moi.
juste essayer de m'embarquer, je vais vous ramener en vitesse. Votre muscletesse, la DOJQC. Attendez. Ouais, ben c'est votre véhicule. Ah, ok, ok. Et voilà, merveilleux, on y va. Ah, je pensais que tu étais avec mon ambulance, moi, là. Est-ce que vous savez ce qui vous est arrivé, monsieur? Inquiétez-vous pas, je suis à MS. Je crois que j'ai fait une crise de foie. Ah, ok. Pas assez mangé. Ouais. J'ai vérifié tout le temps 3 fois par jour, essayer. On est beaucoup, il y en a beaucoup qui font l'erreur. Hein. Donc, au fond, quand vous allez être à l'hôpital, vous allez faire votre muscle E devant la salle. Au fond, vous allez voir un médecin vu qu'il n'y a pas de AMS en service. Ah, j'ai consulté un médecin, mais il n'y a personne non plus. En fait, consulter un médecin, je vais parler un petit peu chinois, là, mais consulter un médecin, au fond, c'est automatique. C'est pas une personne en particulier. Ok. On a des cyborgs à l'hôpital. Au fond, nos médecins, hein, ils sont de haute technologie. Hein. C'est pour ça que quand les citoyens viennent avec des jambes cassées, ils peuvent repartir en courant la même journée. Parce que nos médecins, ils sont surnaturels. Mais est-ce que vous avez quand même... Ah, vous pouvez pas demander un appel d'urgence, vous êtes pas dans le coma. Bon, attendez, là on va se mettre les 4 flashers. Non, vous avez presque plus d'essence. Bon, on va... Bon. Je peux pas prendre de chaise roulante, d'habitude je vous ai rapporté une chaise roulante, fait que je vais vous prendre dans mes bras, d'accord? Ouais. Parfait. Non, je sais, c'est moi qui devais prendre mon service. C'est moi d'habitude qui prends mon service l'après-midi, mais ça, aujourd'hui, j'avais décidé de le prendre de soir. Donc, vous pourrez voir le médecin à partir d'ici. C'est fait. Et voilà, donc il reste juste à être patient. Moi, j'ai des bras super solides, là, fait que... Je vais checker. Ok, ça, c'est barré. Ça, c'est barré. Merveilleux. Donc là, il suffit d'attendre ici que vous voyez un médecin. C'est ça, des fois, c'est l'erreur que le monde font, en fait. C'est que voir un médecin, ça peut prendre plus de temps que d'autres fois. Mmh. Il y a des fois où vous pouvez venir, vous allez voir le médecin en 10 secondes. 10 secondes, ça va être marqué, vous avez été vu par le médecin. Mais il y a d'autres fois où vous allez venir, puis, oh, ça peut être long. C'est-à-dire? Ben, ça peut prendre 5, 6, 7, 8 minutes avant qu'il y ait un médecin, en fait, enfin, qui vous appelle. Hein. OK. Un bon petit truc à avoir, c'est tout le temps d'avoir un medpack avec soi, comme ça, dans la situation dans laquelle vous étiez aujourd'hui, vous auriez pu prendre un medpack. Puis, c'est... Où est-ce qu'on peut en acheter? Je vais vous montrer après. C'est juste la pharmacie? En haut. Ouais, juste en haut. C'est 5 000 $ par exemple. Je suis jamais rentré dans une pharmacie. Ah, ben, je vais vous amener. Vous allez voir, c'est super facile. Et les défibrillateurs, au fond, ça permet de réanimer quelqu'un, mais pas de vous réanimer vous-même. Donc, c'est un détail qui est important. Des fois, il y en a qui font l'erreur. Ils achètent un défibrillateur en pensant qu'ils peuvent se réanimer eux-mêmes. Mais en fait, c'est les autres qui peuvent réanimer. OK. Donc, l'important... Donc, ce qui est bien à faire, c'est d'avoir, exemple, tu sais, d'en avoir comme un chaque, puis vous voulez interchanger. Comme un qui l'utilise pour un, puis un... Mais c'est parce que c'est 25 000 $ pour les défibrillateurs. Ouais, puis on peut l'utiliser qu'une seule fois. Oui. Vous me le direz quand vous aurez vu le médecin, ça va vous l'afficher dans vos lunettes. C'est ça. Puis en fait, le medpack, au fond, ça vous aide. Ça va juste vous redonner un petit boost pour... comme là, vous avez été traité par un médecin. Et voilà, merveilleux. Donc, je vais vous lâcher maintenant. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de souci. C'est mon travail. De toute façon, si je le fais pas, je peux être arrêté. Allez, venez, je vais vous montrer. C'est où pour la pharmacie. Ah, on peut courir maintenant, vous êtes soigné. Ah, c'est là-haut? Ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui le trouve du premier coup. Parce que notre hôpital est très, 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 très grand, au contraire de ce que le monde s'imagine. Si, si. Et voilà. Donc la pharmacie est juste là. Mais il n'y en a pas d'autres en ville? Ouais, il y en a quelques-unes à quelques places. Okay. Puis il y en a une à Cuba aussi.
Donc dans le pire des cas, mais au moins vous pourrez voir à quoi les prix puis à quoi ça ressemble. Donc je prends le kit de premier secours. Ouais, c'est 5 000 $ puis au fond ce kit là ça vous redonne le boost qui vous aurait fallu au fond. Mais vous aurez quand même besoin de voir un médecin. Il y a juste une seule et unique façon de ne pas avoir à voir un médecin, puis cette solution là elle n'existe plus actuellement, c'est la morphine. Elle existe encore. Vous la voyez? Ouais. Dans les... Attendez, je vais voir. Ça coûte 200 000. Hein? 20 000. 20 000. Ah ben ouais, 20 000 morphine. Évidemment. Donc, ouais, la morphine, au fond, ça vous enlève le besoin de voir... Fait qu'au fond, dans l'état où, dans lequel vous étiez tantôt, avec votre trouble alimentaire, vous auriez pris de la morphine, puis c'est tout. Vous seriez... Hop! Ah ouais? Oui, mais vous pouvez l'utiliser seulement si aucun EMS en service. OK. Ou à Cuba. Parce qu'à Cuba, on n'y va pas. Donc, c'est cela. C'est notre pharmacie. Kit de premier secours, donc ça me permet juste de remarcher pour pouvoir revenir jusqu'à l'hôpital. Ça vous permet, ça remonte pas votre... tomber à chaque fois. Non, ça va rester. Ça vous, si votre vie descend trop, descend bas, exemple à 50, ça va vous redonner le boost qu'il faut pour continuer. Ah, ok. Le MedPack, c'est pour les soins mineurs. La morphine, c'est pour... la morphine puis le défibrillateur, c'est pour les cas extrêmes, quand quelqu'un est dans le coma. Mais le reste, le MedPack va être suffisant pour 80% des petits bobos. Ah, c'est bon. J'en ai pris deux. Bon, on y va. Je vais vous laisser conduire votre... Je vais te laisser conduire ton auto. C'est pas la mienne. Attention, parce qu'au moins, monsieur, je suis un pilote. Hein. Ça vous fait peur? Est-ce que ça vous fait peur ou pas la vitesse? Non, c'est correct. Ah, je vous voyais hier soir avec votre gros véhicule et votre 4 roues en arrière. J'ai pratiquement juste des gros camions en fait. Un gros camion noir avec un 4 roues accroché derrière, orange, Nagasaki. Ouais, dans une remorque. Ouais. Ouais, ok. On allait faire de l'off-road. Ah oui, ouais. Merci beaucoup, monsieur. De rien, ça fait plaisir. Bon, moi, par contre, j'ai juste une question. Est-ce que c'est normal ou pas que je vois des éclats dans mes yeux quand je suis dans la voiture alors qu'elle est nickel? Oui, ça arrive à plusieurs d'entre nous. Là. Inquiétez-vous pas, ça va. Oh, attention. Oh. Ça va s'en aller avec le temps. Oh, fuck! C'est vrai! Fuck cops. Moi, il faut que je trouve un moyen de foutre du fuel là-dedans. Petite cochonnerie. Ah, c'est la nouvelle BM? Ah putain, tu vas me faire penser. Ah, j'en ai plus. Ah, monsieur, je reviens. Oui, y'a pas de problème. Bah, tu vois, genre, y avait combien? 15 voitures hein, en tout qui sont passées? Bah, là, y'a plus rien. Ouais, c'est ça. Gros rush, attends, je vais s'éteindre ça. Non. Vas-y. Hey, comment ça, il repart? Ah, j'ai rien vu. Et que j'aime les bruits des chars importés, par exemple. Ah! Oh, hey, la Mustang, surtout la Mustang. La Mustang, là, tu passes ça, là. Pis... Ah ouais, voilà, bon gros son. Ah, la Mustang, ouais. Tant donné que c'est calme, en vrai, je me tente d'aller faire une sieste rapide. Ouais, moi aussi, je pense que je vais faire ça avant de prendre mon chiffre. À plus tard, mademoiselle. Yep. Ah oh ouais, je vais fermer la porte derrière, je vais faire une sieste rapide. Ouais, moi je vais prendre mon chiffre ce soir là, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. À plus tard! Yeah, bye. Ah, oh, monsieur, venez vous apporter un jerrycan.
Ah, c'est pas grave. C'est bon, vous êtes plein en essence? Oui, oui, y'a pas de problème. Bonne journée. Vous m'entendez? Oui. Ah, désolé, je chuchote encore, désolé. Ah. J'ai dit oui, oui, y'a pas de problème. Tout est okay, bon. Ok, c'est bon. Merci. Bonne journée. Bonne journée. C'est qui? C'est moi? Ah, ok. Ben, je m'en vais au garage G, par exemple. Pas au garage B. Est-ce que vous, monsieur, vous vendez des armes? J'ai cru comprendre que vous vendiez des armes. Hein? Quelqu'un m'a dit que vous vendiez des armes. Oh, on vous a... On vous a... port d'armes. On vous a très mal informé, monsieur. Je suis un MS. Ah, sûrement, c'est ce que je me disais. Il n'y a pas de problème. Décalé, puis j'ai peur de le sortir. Hey, je parle de le sortir dans un stand de tir, évidemment. Mais Chris, j'ai peur de le sortir même dans un stand de tir. Je m'en vais aller vendre des guns. Quand je dis M4, je parle bien d'un char. Je parle d'une BMW M4. On se revoit ce soir pour la live à Michel. Bonne soirée la gang. À ce soir. Take a breath, hold it tight, trace the memory in every line. Does anyone feel-